côté d'abord, et puis après tu. Il faut qu'on voit le franco-allemand, c'est bien. Bonsoir, merci de vous rapprocher quand vous pouvez vous rapprocher. On a organisé un petit peu l'espace différemment aujourd'hui hein, pour permettre une attention peut-être un peu soutenue. Vous verrez que ça vaut le coup. Madame l'ambassadrice, monsieur l'ambassadeur, chers amis, on est extrêmement aujourd'hui très heureux de vous, je ne sais plus ce que je dis d'ailleurs, quand je suis avec toi, je ne sais plus. Quand on est extrêmement heureux de vous accueillir pour ce projet franco-allemand, hein, je crois qu'on est aussi pour la première fois ensemble avec un projet franco-allemand. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu faire ce projet, dont le thème un petit peu général portait autour de l'appropriation du patrimoine. Alors, nous avons l'acte 1, qui n'est pas, qui est une magnifique ouverture, avec Bénédicte Savoie. Et je crois que vous êtes aussi tous très, très impatients et heureux de l'entendre. Alors, je crois que la présentation a été largement faite sur les réseaux sociaux et dans les, les livres que nous avons diffusés. Comme Bénédicte, comme à la faculté, on s'est arrêté à ta carrière en 2015. On s'est proposé avec Pierrick de continuer ta carrière entre 2015 et 2017, mais jour après jour, ce qui permettrait à peu près de tenir 25 minutes pour présenter. Alors simplement donner les éléments qui sont les plus importants. Bénédicte Savoie est professeure à la Technische Universität de Berlin et depuis 2 ans au Collège de France sur la chaire d'histoire culturelle européenne. C'est le titre exact, Bénédicte et chaire d'histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe, 18e, 20e. Bon, il me manque un petit peu la moitié. Elle est en même temps, vous le savez, je crois, chargée avec l'universitaire Felwine Sarr d'une mission par le président Macron sur les questions des restitutions. Elle était prévue depuis de longue date ici dans le cadre de ce projet. Nous n'avions pas anticipé sa nomination, quoique j'avais consulté le FA et je pensais que ça serait ça. Donc c'était, je ne pense pas m'être trompé particulièrement. Et on est encore une fois extrêmement heureux de vous avoir pour quelque chose qui va être, vous allez le voir, très dynamique et très émotif sur ce thème de l'appropriation hein, et du patrimoine à travers toutes les questions que tu vas évoquer de la mobilité des œuvres, de la translocation des œuvres, du passage d'un lieu à un autre, d'un temps à un autre, avec les émotions, les discours qui vont avec. Merci, Bénédicte. Merci. Oui, je pense. Madame l'ambassadrice, sehr geehrter Herr Botschafter, cher Jean-Michel, cher Pierrick, c'est un grand moment pour moi de tenir cette conférence. Ça fait 6 mois que je l'attends avec grand plaisir, grande impatience. Et puis 6 jours, puisque je suis ici depuis jeudi dernier, que je découvre le Bénin sous des milliers de facettes, ou en tout cas des dizaines de facettes. Je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et c'est pour moi comme si mon esprit s'était ouvert à 360 degrés. Donc je vous remercie d'abord Jean-Michel et Pierrick pour toute cette organisation, et puis tous les uns et les autres que j'ai pu rencontrer au cours des journées qui viennent de passer pour ces expériences, ces dialogues, ces échanges. Parfois musclé, mais toujours fructueux. La conférence que je me propose de présenter aujourd'hui va durer à peu près 45 minutes, et ce qui compte surtout, c'est qu'on débatte après, et j'espère que vous aurez envie ou que le support que je vais présenter vous donnera envie de poser des questions en toute liberté de parole. La conférence s'intitule « La beauté en partage, point d'interrogation, réflexion sur l'avenir des musées ». Et comme je suis historienne, vous verrez que bien sûr, pour des questions de méthode, par questions d'habitude, et parce que j'y crois, souvent l'avenir va se chercher un petit peu dans le passé, et on va faire quelques retours sur image, sur notre passé commun, sur le passé des Européens et de leurs musées. Et pour commencer, in medias res, je vous montre le trailer, la bande-annonce d'un film de Jackie Chan de 2012, qui va nous mettre directement dans la question. Jackie Chan, vous savez, c'est le héros des arts martiaux qui fait des films d'action, et qui en 2012 a pris notre sujet, le sujet des appropriations patrimoniales, le sujet des musées, le sujet pour en faire un film qui a été pas très remarqué en Europe,
je ne sais pas comment il a été remarqué en Afrique, et qui en revanche a fait exploser les box-office dans le monde asiatique et au Moyen-Orient. Donc un film qui a eu un immense succès, évidemment parce que c'est Jackie Chan, mais aussi et sans doute parce que Jackie Chan a cru bon de choisir ce sujet-là, les spoliations d'œuvres d'art, les déplacements d'œuvres d'art en temps de guerre, pour en faire un film d'action. Donc attention, ça commence fort et puis après on va radoucir. Le son manque. J'arrête tout de suite parce que sans le son... Où est... ouais, pardon. Je réessaye... Je ne sais pas pourquoi le son manque. Ça a tout à fait bien marché. Le voilà. On recommence. Pardon. Hop, on ferme les yeux, on oublie le petit... All those years ago, because of war, my ancestors brought back things that did not belong to them. And every time I look at that bronze, it shouldn't belong to one or two individuals. Ladies and gentlemen, there are only four in the world. Etc. Le film dure très longtemps. Il s'appuie sur une histoire vraie, historiquement, sur le pillage par les troupes britanniques et françaises de l'armée en 1861 lors de la seconde guerre de l'opium du palais d'été à Pékin, et les objets d'art, les objets précieux qui ont été en grande partie en Europe dans ces années 1860, où on les retrouve aujourd'hui encore sur le marché de l'art. Et au moment où Jackie Chan fait ce film, une grande manifestation devant le Trocadéro avec des banderoles qui disent « ras-le-bol des ventes de trésors nationaux, rendez le patrimoine culturel à leurs propriétaires légitimes, etc. » Donc ce moment est vrai puisque Jackie Chan s'est inspiré de la vente, vous vous en souvenez peut-être, de la collection Yon de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent, la collection d'art, qui avait dans leur collection des têtes de bronze d'animaux provenant de cette origine, de ce pillage, évidemment en le sachant ou non à travers les différentes étapes qu'avaient pu avoir ces œuvres d'art sur le marché de l'art européen. Et Jackie Chan se saisit de ce vrai événement historique pour en faire un film de fiction où il met en scène donc de jeunes étudiants engagés, internationaux, qui manifestent contre l'absence dans leur pays d'origine d'œuvres d'art qui avaient été pillées pendant la période coloniale au sens large. Le film s'appelle CZ12, Chinese Zodiac 12, c'est-à-dire les 12 têtes des animaux du zodiaque, puisque ces animaux, des animaux du zodiaque chinois étaient disposés autour d'une fontaine à Pékin au palais d'été et qu'ils avaient été pillés, que les Chinois actuellement, réellement, cherchent à reconstituer cette collection en pistant sur le marché et dans les musées la présence de ces têtes. Donc dans ce film, Jackie Chan, avec beaucoup d'élégance, d'audace et de coups fourrés, réussit à reprendre en France deux de ses têtes, et on voit que donc le sujet a intéressé, en tout cas évidemment sans doute plus pour le sport, mais aussi pour le sujet, un public important. Alors le fait que vainqueurs de leur patrimoine artistique, le fait que ce sujet-là est devenu un sujet de cinéma et pas récent. Jackie Chan n'est pas le premier à produire un film comme ça. Dès 1961, c'est sans doute le premier film sur le sujet, une grande coproduction entre l'Union soviétique et la RDA, la première coproduction RDA-URSS, est consacrée sous le titre « Fünf Tage, Fünf Nächte », c'est un film bilingue russe-allemand, au déplacement par l'armée rouge, que vous voyez représenté par l'acteur ici en bas à droite, un sergent avec son étoile rouge, au déplacement par l'armée rouge, des trésors que vous voyez amassés au fond, dans l'eau, dans une mine, qui sont les tableaux, donc là encore, de la galerie de maîtres anciens de Dresde, que les
pour qu'ils échappent au bombardement et que les Russes, en 1945, en arrivant à Dresde, ont cherché activement, ont retrouvé et ont restitué 10 ans après. Et 10 ans après, ils ont tourné ce film de propagande qui raconte que les Russes ont sauvé les œuvres. Ils les ont sauvées en les emmenant à Moscou, puisque en 1945, l'armée rouge avait emporté à Moscou pratiquement toutes les collections de Dresde et de Berlin. Là encore, en 1961, donc grosse coproduction, ils ont même engagé pour faire la bande-son Shostakovich, qui est venu exprès à Dresde composer une symphonie pour ce film. Film qui a été montré partout dans ce qu'on avait l'habitude d'appeler le bloc de l'Est. Alors vraiment de Berlin à Pékin et dans tous les pays. Et tous ceux qui ont été socialisés dans ces pays et qui sont déjà un peu âgés se souviennent avoir vu ce film. Je vous le conseille. On peut le voir assez bien sur YouTube. Si vous comprenez le russe ou l'allemand, ou si vous voulez vous faire plaisir en regardant ces images très intéressantes et qui parlent souvent d'elles-mêmes. 1961, donc, le sujet des translocations est saisi par le cinéma du bloc de l'Est, mais il l'est aussi à l'Ouest avec une grande production, Le Train, The Train, avec Burt Lancaster. Grande production qui montre comment des cheminots français résistants, qu'on voit ici en la personne de Burt Lancaster avec une mitraillette sur cette grande affiche, des cheminots français résistants qui réussissent à empêcher le passage en Allemagne d'un train rempli d'œuvres d'art que les nazis ont spolié lorsqu'ils occupaient Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on voit vraiment que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale entre les Allemands, les Français, les Russes, a fait dès les années 60, c'est-à-dire finalement assez vite, dès que les studios de production se remettent en marche, fait l'objet de très grands films qui sont restés dans nos mémoires. Et puis ça continue, peut-être que vous vous souvenez de la présentation il y a quelques années de Monuments Men, où il s'agit aussi ici avec George Clooney en star d'un groupe de soldats américains qui vont récupérer à Berlin, non en Allemagne après la guerre, les œuvres que les nazis ont spoliées dans toute l'Europe. On peut évoquer aussi qui a été présenté, réalisé en 2016, Woman in Gold, qui parle d'une famille juive qui tente de reprendre des œuvres nazies pendant la guerre, avec en haut sur l'affiche cette phrase, le combat pour la justice ne s'arrêtera jamais. Ou encore dans le contexte entre les Britanniques et les Athéniens, les Grecs, vous savez que depuis le début du 19e siècle, les Grecs ont perdu. Il faut faire attention aux mots. En tout cas, du point de vue des Grecs, c'est une perte. Du point de vue des Britanniques, c'est autre chose. Disparaître la présence à Athènes des frises du Parthénon qui ont été démantelées et transportées aux frais d'un diplomate à Londres, et l'Angleterre, la Grande-Bretagne, les a achetées en 1818 pour les mettre au British Museum où elles sont toujours. Et ça aussi, ça fait mal encore aujourd'hui aux Grecs. Et le fait que tous ces sujets passent dans le cinéma nous montre bien qu'il y a une opinion publique qui s'intéresse à ces sujets. Ce ne sont pas des sujets d'experts, c'est des sujets qui peuvent prêter à la réalisation de films comme celui-ci ou de juristes dans Promakos. Là aussi, vous voyez, le sous-titre, c'est « La justice retourne à Athènes ». On est toujours dans des questions de justice et de justesse et de remise en ordre de la justice sur le patrimoine. Ici, on voit donc un juriste accompagné d'un autre juriste qui vont tenter de négocier le retour à Athènes des frises du Parthénon. Je vous montre encore deux extraits beaucoup plus récents qui concernent l'Afrique, deux extraits de films que je vous laisse regarder, puis je les commenterai en un instant, c'est tout à fait court. Ils concernent tous les deux la présence à Londres, au British Museum, d'un important patrimoine africain. It belongs to my people. Benin in 1897. Voilà, ça c'est l'un des films. Alors vous restez sur votre faim, mais allez, si vous avez de bonnes connexions internet, allez les voir sur internet. C'est pas très difficile de les trouver. De 2017, intitulé Invasion 1897. Avec le départ, en plus de la violence physique, ou à côté de la violence physique, le départ ou la prise de guerre à titre de trophée de guerre d'œuvres qui étaient d'œuvres. Là encore,
difficile, en tout cas de pièces qui servaient à décorer le des ornements, mais des ornements qui racontent l'histoire. 1897, et dans ce film, on voit un jeune étudiant qui fait ses études à Londres et qui comprend, à qui on raconte pour la première fois que des pièces si précieuses provenant de son pays sont au British Museum, et il va en voler. Il y a toute une histoire de famille parce que c'est lié à son grand-père. Il va en voler au British Museum, il se fait arrêter, et on suit, c'est pas la seule ligne de cette intrigue de ce film, mais en tout cas on le suit, lui, dans ses démêlés avec la justice que vous avez vu là à l'instant. Et puis plus récemment, il paraît qu'il est en ce moment visible à Cotonou, dans le nouveau cinéma de Cotonou. Je peux que vous recommander le film Black Panther, paru tout récemment des studios Marvel, où là encore on a une scène centrale dans un musée qui s'appelle The Museum of Great Britain, qui est en fait le British Museum. Je vais vous montrer juste cette scène là elle n'est pas de très bonne qualité parce que je suis allée la pêcher sur internet, mais pour vous montrer que là encore la présence d'objets africains dans un musée occidental, dit occidental, en tout cas à Londres dans le cas présent, est un moment clé de ce film. Je ne vous raconte pas l'histoire puisqu'il est visible ici en ce moment, je peux que vous recommander d'y aller, c'est un film. Donc on est dans une scène, vraiment pas le British Museum, ça a été reconstruit par les studios et vous voyez. Et c'est parti. Help you. I'm just checking out these artifacts. You can tell me you're the expert. You couldn't say that. They're beautiful. Where is this one from? The Bobo Ashanti tribe. Present-day Ghana. 19th century. Huh? And what about this one? That one's from the Edo people of Benin. 16th century. Now, tell me about this one. Also from Benin, 7th century. Je m'arrête là. Vous voyez que la jeune femme, là, sur mon arrêt, a les yeux fermés. Elle commence à avoir mal au ventre. Cette jeune femme, c'est la conservatrice des collections africaines au musée. Elle entre en contact, un peu par hasard, dans cette salle très esthétisante, esthétisée, très belle, de l'art africain du musée britannique, avec un jeune africain de la diaspora. Je vous raconte rien, je raconte simplement qu'il lui pose des questions sur les œuvres qu'il voit là. Manifestement, c'est la première fois qu'il entend parler de ce type d'œuvre. Et cette jeune femme qui est en train de boire un café là, vous allez voir que ça se passe pas très bien pour elle. D'ici la fin de la scène, elle va tomber dans les pommes. Et puis il y a une scène violente qui mène à l'extraction d'un des objets de ses vitrines pour le rapporter ou pour l'utiliser, j'en dis pas plus. En tout cas, là encore, dans un film très récent, ce motif de la présence hors d'Afrique ou hors de leur pays d'origine d'œuvres d'art dans des musées européens est très central. Donc tout ça, j'ai voulu commencer par là pour vous montrer que le sujet qu'on évoque aujourd'hui n'est pas un sujet simplement d'experts, un sujet qu'on traite depuis longtemps dans les universités, etc., mais que c'est bien un sujet qui occupe aussi les jeunes qui vont au cinéma et à qui ça plaît, même s'ils ne comprennent pas toutes les nuances de gris ou tous les détails qui vont avec ça. Alors, devant cet intérêt massif de l'opinion publique mondiale, manifestement, pour ces questions, les musées occidentaux ont cherché ces dernières années à trouver des réponses ou à apporter des réponses. Vous voyez là une œuvre en néon qui a été installée sur l'un des porches d'entrée du Victoria and Albert Museum il y a quelques années à Londres, et qui dit « All of this belongs to you », c'est-à-dire « Toutes les merveilles qui sont ici vous appartiennent ». Et vraiment, le mot qui compte ici, et le mot qui compte dans tous ces débats, c'est à qui appartiennent les œuvres dans les musées, à qui ça appartient. Donc les musées eux-mêmes ont eu tendance ces dernières années à affirmer, à réaffirmer que ces œuvres appartiennent à l'humanité entière, en oubliant parfois de dire que l'humanité entière n'a pas accès physiquement, pour des raisons économiques, à ces trésors. En effet, l'entrée est gratuite des musées britanniques, mais encore faut-il être à Londres, par exemple, et je prends l'exemple des musées britanniques, mais on pourrait évidemment prendre l'exemple des musées français où l'entrée n'est pas gratuite, et allemand. Et donc, d'un côté, cette réponse des musées qui tentent de trouver un nouveau positionnement après une époque
longue où il était évident que ce qui était dans les musées y était et qu'on n'avait pas à le mettre en question. Mais puisqu'il y a cette pression publique, tout d'un coup, la question se pose et les musées se sentent obligés d'y répondre. Donc, par exemple, avec une... Vous pouvez voir aussi, et là, je vous fais part d'une photographie prise à Berlin par un jeune Irakien de Babylone et qui est dans les musées de Berlin, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux de jeunes, pas seulement des jeunes d'ailleurs, des militants, disons, des activistes politiques, des militants ou alors des citoyens, tout simplement, ou des étudiants. Dans le cas présent, il s'agit d'un étudiant irakien donc, qui se met à genoux devant la porte d'Ishtar à Berlin en tenant un panneau, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, sur lequel est écrit « This belongs to Iraq ». Donc, c'est irakien. Donc, la question... Les musées disent « tout cela vous appartient » et la réponse de ceux qui n'ont pas ces œuvres chez eux, qui ne les ont plus, qui sont, disons, face à l'absence de ces objets dans leur région d'origine, répondent « ah non, ça n'appartient pas à tout le monde, ça appartient à l'Irak, à la Grèce et autres. » Donc je le disais tout à l'heure, ce sujet des déplacements d'œuvres d'art, de leurs appropriations différentes depuis des siècles, est un sujet aussi d'experts. Il y a eu ces dernières années un très grand nombre d'expositions sur différentes expositions de musées, sur différents aspects de ces questions. On ne peut pas tous les mélanger, mais il y a eu différents moments qui font que les musées sont devenus ce qu'ils sont. Ça peut être la période nazie, ça peut être la période coloniale, ça peut être des périodes d'achat quand les musées étaient fastes et qu'ils ont pu acheter facilement sur le marché, etc., etc. Donc, à propos de ces différentes formes, vous voyez ici, par exemple, une expo tenue à Stockholm en 2008, qui s'appelle Kriegsbeute, enfin, c'est-à-dire les butins de guerre, où les Suédois ont rappelé que pendant la guerre de 30 ans, c'est-à-dire au milieu du XVIIe siècle, ils s'étaient enrichis des collections, notamment de Prague. C'est pour ça que vous trouvez des trésors de peinture, d'Archimboldo, etc., en Suède, puisque c'est pendant la guerre de 30 ans que tout ça est monté, et on s'en souvient maintenant... en Suède, vous avez l'armée rouge a emporté des œuvres allemandes qui étaient d'origine néerlandaise en 1945 jusqu'au fond de la Sibérie, etc. Et puis d'innombrables articles dans toutes les langues sur ces questions, des articles scientifiques, des poèmes sur la question. J'ai eu l'occasion récemment de feuilleter une très belle anthologie quadrilingue et très épaisse d'ailleurs, très riche, sur des poèmes africains qui est sorti il y a 2 ans à peu près, Africa im Gedicht. C'est une anthologie allemande, mais les poèmes sont en français, en langue arabe et dans les différentes langues et en traduction allemande. Et là-dedans, dans ces poèmes africains, on trouve des traces de ces questions. Et aussi dans l'art contemporain, l'œuvre la plus célèbre tournant autour de la question des spoliations est sans doute l'installation de Ai Weiwei, l'artiste dissident chinois que vous voyez. Vous arrivez à suivre ma souris tout nu ici, avec constituées à leurs pieds là les fameuses têtes que Chan a pris pour sujet. Et dans son blog, alors ça a fait l'objet de toute une installation qui a tourné dans le monde entier, et dans son blog, qui est interdit depuis, Ai Weiwei expliquait que, en fait, les autorités chinoises, en réclamant ces bronzes, ne faisaient que détourner l'attention des peuples des vrais problèmes qu'il y a en Chine, et que lui, il considère qu'il ne faut pas restituer ses œuvres à la Chine, au dictateur chinois, en quelque sorte, et que lui, en tant que dissident, considère que les œuvres d'art doivent, au contraire, tourner, circuler, être copiées, être montrées partout. Et il est tout à fait opposé à l'idée de rapatrier ses œuvres, mais il y est opposé aussi pour des raisons de politique intérieure, puisque c'est un régime dictatorial, donc auquel il est opposé, qui poursuit ce projet-là. Donc on voit bien... Juste avec ce début qui est déjà trop long pour une introduction, mais on voit bien que les choses ne sont pas simples, que ce qui arrive à l'Afrique en ce moment ou au Bénin ces jours-ci n'est pas un cas isolé sur la planète, qu'il y a eu des antécédents, qu'il y a des choses qui se passent parallèlement et qu'on est dans un mouvement historique de changement de paradigme. Hein, avec tous ces films, avec ce besoin des musées de se justifier, on sent bien que quelque chose est en train de se passer qui va peut-être changer, on l'espère, la répartition du patrimoine mondial, à l'échelle mondiale. Alors, je vais, si vous voulez bien, dans la demi-heure qui me reste à peu près, articuler mon propos en 3 chapitres, en 3 volets, qui s'intitulent d'abord « Notre héritage nous écrase ». Et à vrai dire, c'est une citation, vous verrez d'où elle vient tout à l'heure, hein, je ne fais que reprendre une citation d'un célèbre auteur français, et j'aurais presque pu intituler cette première partie d'ailleurs « Notre héritage nous écrase-t-il ? »
on verra ça. Deuxième partie, fécondation. Il va s'agir de voir ce que font les musées avec les œuvres qu'ils ont quand ils les ont et ce que ça fait sur les populations qui ont contact. Et à sens inverse, j'aimerais regarder un instant avec vous ce qui se passe dans les pays où les œuvres ne sont plus, dans un volet que j'intitule « Présence de l'absence ». Et puis pour commencer, comme j'ai l'habitude de le faire, je voudrais juste donner un petit point méthodologique, dire un mot sur le point de vue d'où je vous parle, donc avec un point zéro qui s'intitule « D'où tu parles ?» et qui m'a été inspiré par une interview de Michel Foucault, qui a été, comme vous le savez aussi, le grand philosophe Michel Foucault, qui a été aussi professeur au Collège de France, et qui raconte que quand il est rentré de Tunisie en 68-69, c'est-à-dire après les événements de mai 68, il écrit, il est interviewé par un journal, et il écrit « Quand je suis rentré de Tunisie, l'hiver 68-69, à l'université de Vincennes, il était difficile de dire quoi que ce soit sans que quelqu'un vous demande d'où tu parles. Cette question me mettait toujours dans un grand abattement. Ça me paraissait une question policière, au fond. Sous l'apparence d'une question théorique et politique, d'où parles-tu ? En fait, on me posait une question d'identité. Au fond, qui es-tu ? Dis-nous si tu es idéaliste ou matérialiste. Dis-nous si tu es prof ou militant. » Et cette question qui mettait très mal à l'aise Michel Foucault, ou qu'il mettait dans un état d'abattement, j'ai quand même voulu la prendre au sérieux, moi, vous parlant aujourd'hui de mon point de vue d'historienne, et j'ai essayé d'y répondre en quelques extraits de films et de photos pour que vous compreniez d'où vient la parole qui s'est formée en moi, disons, c'est un peu, ça sonne un peu pathétique, mais enfin, la parole qui s'est formée pour devenir ce qu'elle est. Donc ça commence à Paris quand j'étais enfant, Paris en juin 1978, comme certains d'entre vous se souviennent peut-être, à l'époque, en 78, il y avait quelques chaînes de télévision, deux ou trois, FR3 venait d'arriver, il y avait TF1, Antenne 2 et France 3, et dans les familles, comme dans la mienne en tout cas, c'était un rituel de regarder les informations de 20h à 20h, et pour les enfants qui avaient 6 ans, 5 ans, comme mon frère et moi, on regardait le journal de 20h, après on regardait la pub, et après on allait se coucher. Et j'ai retrouvé dans les archives de l'INA, qui sont digitalisées et qu'on peut trouver, qui sont numérisées et qu'on peut trouver sur Internet, j'ai retrouvé un journal de 20h de 1978, du mois de juin, dont je suis pratiquement sûre que je l'ai vu, puisqu'on regardait la télé tous les soirs avec mes parents. Il n'y a absolument aucune chance que je ne l'ai pas vu. Évidemment, je ne m'en souviens pas, mais en le voyant 40 ans plus tard, je me suis dit que c'est à cause d'émissions comme ça, et une autre que je vais vous montrer juste après, que l'intérêt pour ces questions a dû se former. Donc on est sur TF1, l'animateur du journal de 20h, c'est une star nationale, Roger Gicquel. Quand il est mort, les journaux titraient « La France pleure », c'était vraiment une sorte de divinité. Il avait inventé une nouvelle forme de présentation des informations, c'était la forme non objective. C'est-à-dire qu'il mêlait toujours l'annonce des news avec les sentiments que ça produisait sur lui. C'est un espèce de mélange, pas du tout factuel. Et il parle ici, en juin 78, d'une annonce qui vient d'être faite par le secrétaire général de l'UNESCO, Mbo, qui avait demandé en 78, il y a 40 ans, que soit restitué à leur partie, à leur pays, enlevé des décennies ou des siècles auparavant. Et vous voyez que Roger Gicquel prend très au sérieux l'annonce de ce secrétaire général de l'UNESCO. Il va faire un commentaire de l'annonce, puis donc on va voir le commentaire simplement, puis ensuite il y a un très long reportage sur la question, est-ce qu'il faut restituer, est-ce qu'il ne faut pas restituer, qu'est-ce que ça fait à des Africains de ne pas avoir leur patrimoine, etc. Et puis une petite conclusion à la fin. Nous on regarde seulement le début de le lancement de, du sujet par Roger Gicquel. Il faut peut-être tendre un petit peu l'oreille, vous voyez, dans son style. Mais quelle distance, quelle du directeur général de l'UNESCO, M. Mbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Dans l'esprit de l'UNESCO, cela s'inscrit dans une politique d'ensemble qui ne concerne que certains cas, tant en Afrique qu'en Amérique. De manière générale, les commentateurs de presse se sont montrés surpris et certains ont même ironisé à ce propos. Retour des œuvres d'art. L'un d'eux, célèbre, a même suggéré si on doit rendre l'obélisque de la place de la Concorde à Paris, il faudra qu'on nous restitue aussi le canal de Suez. Vous voyez jusqu'où ça va.
qui m'intéresse dans ce petit passage, d'abord, c'est la sorte d'empathie que manifeste Roger Gicquel à l'égard de ceux qui demandent la restitution. Il dit, vous voyez jusqu'où ça va, les détracteurs sont idiots, en quelque sorte, ils ne comprennent pas du tout le sujet, vous voyez jusqu'où ça va. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, et peut-être que vous l'aurez noté, c'est ce geste-là. Œuvre d'art qu'ils ont perdu dans des... Ne pas trop décrire. Les peuples demandent la restitution d'œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il ne vaut mieux pas trop décrire, avec le geste vague de la main. Alors ces circonstances de l'histoire qu'il ne vaut mieux pas trop décrire, ici, au journal de 20h, que fait Roger Gicquel? Il en parle et il n'en parle pas. C'est presque un truc vaudou, hein. Il montre et il ne montre pas. Donc il dit, il y a des circonstances de l'histoire, mais on n'en parle pas. Alors pour tous ceux qui comprennent l'allusion des circonstances de l'histoire, c'est la période coloniale. Pour les gens qui, à l'époque, avaient vécu l'indépendance des pays, ou pour mes grands-parents, c'était clair. On n'avait pas envie de parler de ces circonstances de l'histoire, mais on les connaissait. Pour des enfants comme moi, comme mon frère, comme mes cousins, c'est un grand mystère. C'est comme si les adultes entre eux avaient un secret de famille dans les années 70. C'est la manière dont se sont remplis nos musées dans des circonstances de l'histoire dont on ne parle pas. Secret de famille. Et comme vous savez, peut-être pour l'avoir vécu dans vos familles, les secrets de famille sont des choses d'abord lourdes à porter et qui en général font que la famille finit par exploser. Et je pense que ce silence, ce faux silence, hein, se montrer et ne pas montrer ces circonstances de l'histoire, de certains autres historiens, historiennes, ou militants, ou activistes, ou autres conservateurs de musées de ma génération. En tout cas, on a l'impression que quand on était enfant, on ne nous a pas dit toute la vérité, ou on n'a rien compris, et qu'il y avait quelque chose à gratter. Pour ma part, je pense que c'est ce qui m'a fait devenir historienne, d'autant que des années plus tard, et là, pour ma part, je vis déjà en Allemagne, en 1994, je suis à Berlin, il y a eu à Mulhouse un cas de restitution par l'Allemagne réunifiée à la France, d'œuvres d'art qui avaient été spoliées par les nazis pendant la guerre. Et lors d'un sommet franco-allemand à Mulhouse, Helmut Kohl, à l'époque, a rendu à François Mitterrand, qui était déjà un vieux monsieur, lui a rendu 28 œuvres qui avaient été spoliées par les nazis pendant la guerre, probablement à des familles juives. On n'en était pas sûr, mais ce que les Allemands avaient sorti de Paris pendant la guerre, c'était souvent tiré de familles juives, et le restituer. Vous allez voir que là encore, voilà Helmut, que là encore, les commentaires. Madame, monsieur, bonjour. Le chancelier allemand Helmut Kohl, à l'occasion du sommet franco-allemand qui se tient actuellement à Mulhouse, a rendu officiellement au président de la République un tableau de Claude Monet dérobé pendant la dernière guerre mondiale et qui se trouvait exposé dans un musée d'Allemagne de l'Est. 27 autres tableaux seront restitués dans les semaines qui viennent, soit au musée français, soit aux familles des propriétaires lorsque celles-ci existent encore. Alors là encore, même quand vous avez 22 ans, si vous ne comprenez pas de quoi ça parle, pourquoi on va restituer soit à l'État français, soit aux familles. On n'explique pas à ce moment-là que ce sont des familles juives dont il est question. Peut-être qu'elles n'existent plus. Voilà, tout ça, là encore, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'histoire de... Et ça cloche d'autant plus que je suis allée chercher dans les archives pour voir comment, par exemple, François Mitterrand avait accueilli à ce moment-là cette restitution. Vous voyez au fond le tableau emblématique dont il est question, un tableau de Claude Monet prise dans la famille Feilschenfeld, qui était en effet une famille de galeristes d'origine juive parisienne, qui ont été dépouillés par les nazis et qui ont été en partie déportés. Et lors de cette restitution, voilà ce que dit François Mitterrand en 1994. Donc il commence par remercier beaucoup Helmut Kohl, enfin Helmut. Je vous lis un instant. « Monsieur le chancelier, je continuerai dans le style que vous avez vous-même choisi, cher Helmut. Ce retour en France d'œuvres, dont on sait bien qu'elle représente une qualité exceptionnelle de notre patrimoine, constitue un geste tout à fait exceptionnel de la part du chancelier Kohl et du gouvernement de la République fédérale. Chacun ici en mesurera l'importance et l'étrangeté. Jusqu'ici, les musées, tous les musées d'Europe, je ne dirais pas d'ailleurs, ce serait une formule trop générale, ont été remplis d'œuvres acquises ou conquises dans des conditions sur lesquelles il n'est pas nécessaire d'insister. » Là encore, on voit un chef de l'État à la télévision ou dans une situation de discours officiel qui
qui nous dit « Nos musées ont été remplis d'œuvres acquises et conquises dans des conditions dont on ne préfère pas parler. » Donc, manifestement, en tout cas, toute ma jeunesse a été accompagnée par ce message selon lequel nos musées sont remplis de biens mal acquis, ou en tout cas, dont la venue dans ces musées représente un scandale, un secret de famille, quelque chose dont on préfère ne pas parler. Et c'est de là d'où je vous parle, c'était la question là, d'où tu nous parles, ben je vous parle de là, de la génération de quelqu'un qui, pendant toute sa jeunesse, son enfance et sa jeunesse, a été mal informé, pas informé, et ce manque d'information continue, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'en arrive enfin au premier point, et j'espère que ça va aller plus vite maintenant. Notre héritage nous écrase. On a l'impression aujourd'hui, et je le disais un peu tout à l'heure, que les musées sont entrés dans une sorte de crise de sens, ils sont obligés de se légitimer bien davantage, mais en réalité, dès le début du XXe siècle, en 1909, au plus tard, les musées européens entrent dans une grave crise. Vous voyez ici Marinetti, l'un des héros du futurisme italien, qui a publié ce texte, le Manifeste du futurisme, très célèbre, dans le Figaro, en première page du Figaro, en 1909, où les futuristes, son mouvement, déclarent vouloir détruire tout le passé, détruire tout ce qui rappelle le passé et foncer vers le futur, vers l'avant. Et il prend à partie les musées en les qualifiant de dortoirs publics, donc des endroits où, pour quelqu'un de 1909, il ne se passe rien. Les œuvres, les objets qui sont là dorment tous ensemble sans qu'il y ait aucune interaction, aucune action, aucune énergie. Quelques années plus tard, Paul Valéry, qui est alors un grand écrivain déjà très célèbre, et publie lui aussi, après une visite au Louvre en 1923, un article, un essai qui s'appelle « Le problème des musées ». Lui, donc, il sort de cette visite au Louvre, on y reviendra tout à l'heure, complètement exténué, il a trop vu, ça lui fait mal à la tête, il ne comprend rien, il n'est pas content, il trouve que les musées ne marchent pas ou ne marchent plus, et il les compare à des cimetières, donc à des endroits où il y a des œuvres mortes, là, avec lesquelles on n'entretient pas spécialement un lien, et qui sont comme des tombes, des lieux de non-vie. Une expression qui est souvent évoquée, et pas seulement, on avait un Italien, on a eu l'exemple d'un Français, je vous montre maintenant, pour vous montrer que c'est un phénomène européen, hein, cette crise des musées au début du XXe siècle, je vous montre ici Karl Einstein, c'est un grand historien de l'art allemand, auteur du livre que vous connaissez peut-être, intitulé « L'art nègre », un des premiers livres qui a été écrit sur l'art africain, sur la sculpture africaine au début du XXe siècle, et ce Karl Einstein commentant en 1926 la réouverture du musée ethnologique de Berlin, das Berliner Völkerkundemuseum, anlässlich der Neuordnung, vous voyez, il écrit un essai, et lui, il compare les musées ethnologiques à des Kühlkammer weißer Wissgier, ça veut dire des frigidaires de la curiosité blanche. On pourrait presque dire des congélateurs, hein, des Kühlkammer, c'est des chambres réfrigérées. Donc là aussi, il entre et il décrit des salles entières où il voit comme dans un rayon de boucherie, en quelque sorte, dans une chambre froide de boucherie, des pièces les unes à côté des autres qui sont comme des trophées de la curiosité blanche. Donc dès les années, au plus tard 1920, c'est-à-dire il y a un siècle, les musées posent problème à l'élite éclairée, ces gens qui prennent la parole dans le journal, c'est bien sûr l'élite, mais aussi aux visiteurs, et dans certains musées, les visiteurs disparaissent. Une des pointes, disparaissent au sens où les musées sont un peu vides, sont même très vides. À Berlin, c'est un vrai problème dans les années 20. Même les taxis ne savent pas, disent les touristes, où sont les musées. On leur dit « Amenez-moi au musée, à l'île des musées ». Les taxis répondent « Je ne connais pas ». Une des pointes de ce moment de crise se manifeste dans une enquête menée par la revue L'Esprit Nouveau. L'Esprit Nouveau, c'est une revue d'avant-garde publiée dans les années 20 et dirigée notamment par le grand architecte Le Corbusier. Et ce journal fait une enquête en deux volumes, plusieurs pages, qui s'intitule « Faut-il brûler le Louvre ?» Et vous voyez ici, peut-être, que toutes les réponses commencent par « oui ». Donc, réponse à notre enquête, ça c'est la deuxième partie, fin, « Faut-il brûler le Louvre ?»« Oui, on doit brûler le Louvre, il contient peut-être des chefs-d'œuvre, etc. »« Oui, il faut le brûler, oui, il faut le brûler. Quand, etc. »« Oui, encore un peu plus bas, oui, il faut brûler le Louvre. » Et puis, ça continue, donc c'était en deux volets. Et le seul qui dit qu'il ne faut pas brûler le Louvre, c'est celui-ci, Michele Gasquella Pittore, donc un peintre italien qui dit « C'est inutile de le brûler parce que je l'ai déjà brûlé en dedans. » Et quand une chose est brûlée en dedans, elle est aussi brûlée en dehors.
Donc le seul qui ne veut pas brûler le Louvre, en fait, par une pirouette rhétorique, nous dit ben, il ne faut pas le brûler puisque c'est déjà annulé, ça n'existe déjà plus. Alors si on reprend le texte de Paul Valéry, que j'évoquais tout à l'heure et que vous voyez ici dans son costume d'académicien, exactement dans les années où il a eu cette overdose de Louvre, on peut retenir, tout le texte est formidable, hein, vous le trouverez aussi pareil sur Internet, il est Le problème des musées de 1923. L'une des phrases, j'ai retenu ici, mais on pourrait en retenir beaucoup d'autres et passer très longtemps sur ce texte. Paul Valéry dit, en sortant du Louvre, donc complètement épuisé par sa visite, « Notre héritage est écrasant. L'homme moderne, comme il est exténué par l'énormité de ses moyens techniques, est appauvri par l'excès même de ses richesses. Le mécanisme des dons et des legs, la continuité de la production et des achats, et cette autre cause d'accroissement qui tient aux variations de la mode et du goût, à leur retour vers des ouvrages que l'on avait dédaignés, concourt sans relâche à l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable. » Ici, Paul Valéry donc, reprend les différentes sources d'approvisionnement des musées, les dons, les legs, les achats. Il oublie, au passage, les expéditions archéologiques ou scientifiques ou coloniales qui aussi contribuent à grandir les musées. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'on est face à un capital excessif et donc inutilisable. Il y en a trop et ça sert à rien, pour formuler les choses autrement. Alors cet héritage, ce capital excessif qui nous écrase, d'après Paul Valéry, c'est quelque chose qui en France naît et est théorisé autour de la Révolution française en 1789 par notamment, c'est l'une des voix de ce débat, l'abbé Henri Grégoire, un ancien prêtre, qui dans une multitude de rapports va théoriser l'idée d'héritage culturel. Qu'on appelle en anglais héritage culturel, qu'on appelle en français patrimoine, qu'on appelle en allemand le Kulturbesitz, c'est-à-dire la propriété culturelle, parfois on parle de cultural property, c'est théorisé très fort, les musées existent déjà dans l'Europe, mais c'est théorisé au moment de la Révolution française. Donc j'ai simplement retenu quelques phrases importantes pour comprendre comment ça marche et ce que ça fait sur nous aujourd'hui, 200 ans après. L'abbé Grégoire, au moment où la Révolution française confisque les biens du roi de France, des rois de France, dans des dépôts, et l'abbé Grégoire dit, à partir de 1793, à peu près 4 ans après le début de ces grands mouvements de confiscation, il faut organiser des bibliothèques et des musées formés avec choix, sont en quelque sorte les ateliers de l'esprit humain. Il faut révolutionner les arts, rassembler tous les matériaux, tous les moyens, et transmettre cet héritage aux générations futures. Donc on comprend bien que cet héritage qui nous écrase, selon Paul Valéry, c'est quelque chose d'à la fois horizontal, on rassemble tout, et on le transmet aux générations futures. Sauf que si chaque génération accumule, comme ça, horizontalement, de plus en plus, et transmet toujours verticalement au suivant, nous autres, 200 ans après, par exemple, qui arrivons sous le poids de ce patrimoine, on peut comprendre la métaphore de Valéry qui dit « ça nous écrase ». Il y en a vraiment trop de couches accumulées horizontalement et passées de génération en génération verticalement. Alors l'idée que la Révolution française a derrière ça, c'est d'instruire le peuple et de faire, c'est une idée républicaine, c'est une idée universaliste, donc on rassemble tout, mais pour le mettre au service de la République française, au service du peuple. Je vous montre juste un peu le style de prises de parole qui ont eu lieu à cette époque-là et qui rappellent aussi certaines prises de parole qu'on peut entendre aujourd'hui dans d'autres contextes. Toujours l'abbé Grégoire. Jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations. Il parle des confiscations, des biens du roi, des biens du clergé, du bien de l'aristocratie. Jamais un plus grand spectacle ne s'offrit aux nations. Tous ces objets précieux qu'on tenait loin du peuple, ou qu'on ne lui montrait que pour le frapper d'étonnement et de respect, toutes ces richesses lui appartiennent. Désormais, elles serviront à l'instruction publique, elles serviront à former des législateurs philosophes, des magistrats éclairés, des agriculteurs instruits, des artistes au génie desquels un grand peuple ne commandera pas en vain de célébrer dignement ses succès, des professeurs qui n'enseigneront que ce qui est utile, des instituteurs enfin qui, par une méthode vigoureuse et simple, prépareront de robustes défenseurs à la République et d'implacables ennemis aux tyrans. Donc le patrimoine, ça sert pas seulement à devenir plus malin, ça sert aussi à devenir plus fort militairement, d'être des défenseurs de la République, et d'implacables ennemis aux tyrans. C'est une sorte de force symbolique qui permet de lutter et de s'affirmer nationalement. Qui ne voit pas que cette belle entreprise intéresse à la fois et tous les peuples, horizontalement, ce projet intéresse tous les peuples et tous les âges, verticalement.
C'est donc ça dont nous sommes les héritiers écrasés. Avec cette théorie de la Révolution française, de tout rassembler à Paris et de le passer de génération en génération, en quelques années, la Révolution française, en ajoutant à cette idée-là d'héritage, l'idée que l'art, étant un produit de la liberté, devait être rassemblé au pays de la liberté, c'est-à-dire la France. La France, donc, constitue, dans ce qui est devenu le Louvre aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque, c'était le Palais du Louvre, le Palais Royal, mais qui était devenu le Musée Central des Arts, a constitué ce que la France elle-même, ou le directeur de ce musée, appelait le plus beau musée de l'univers, qui était le Louvre, et qui a rassemblé non seulement les biens du roi, les biens du clergé, les biens de la noblesse, mais à partir du moment où la Révolution française a envahi l'Europe pour tenter de la délivrer des tyrans, c'est-à-dire pendant les guerres révolutionnaires, l'armée française révolutionnaire, puis celle de Napoléon Bonaparte et ensuite de l'empereur Napoléon, se sont servis dans tous les pays conquis, dans l'actuelle Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, dans l'espace germanique, jusqu'en Pologne, de toutes les œuvres, par centaines et centaines de caisses qui venaient à Paris remplir ce plus beau musée de l'univers qui était le Louvre. Alors tout ça, ça nous mène. C'est pour vous rappeler comment s'est formée l'idée d'héritage et comment quelqu'un comme Paul Valéry peut trouver que l'héritage nous écrase. Mais tout ce beau musée de l'univers s'écroule en 1815, lorsque, comme vous le savez, les souverains d'Europe, exaspérés par la politique napoléonienne de conquête, réussissent à chasser Napoléon pour la deuxième fois. La première fois, ils supportent encore l'idée que, voilà, il a été chassé, mais on va garder le Louvre, le musée Napoléon, intact. Mais la seconde fois, après les 100 jours, tout le monde est si énervé que les puissances européennes, en 1815, décident de reprendre au Louvre tout ce que la Révolution française et Napoléon avaient pris, avaient piqué, avaient volé, avaient confisqué, avaient saisi dans les pays européens. Et en 1815, vous voyez ici le visage de grands esprits qui se sont mêlés du débat de la grande restitution, la première grande restitution moderne, celle de 1815. Vous voyez ici Goethe, le poète Goethe, qui s'est beaucoup mêlé de réfléchir à ces questions. À côté de lui, en couleur, ici, le sculpteur Antonio Canova, qui était l'envoyé du pape pour récupérer les œuvres du pape. Ici, par exemple, Alexander von Humboldt, l'un des deux explorateurs, des deux frères Humboldt, explorateur très célèbre, qui a été impliqué directement à titre de diplomate dans la question des restitutions. Vous voyez Dominique Vivant-Denon ici, le père du musée Napoléon. Jacob Grimm, l'un des deux frères Grimm, qu'on connaît bien, qui était aussi, lui, envoyé pour récupérer à Paris des œuvres. Tous ces Stendhal, l'écrivain français Stendhal, ici, que vous voyez, tous ces grands esprits des années 1815 ont contribué à un grand débat public sur la restitution, avec plein de questions qui font écho avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, comme de savoir, est-ce qu'une œuvre saisie dans un couvent en Italie, après son passage au Louvre, donc après qu'elle a été muséalisée, il faut la remettre dans un couvent, ou est-ce qu'il faut la remettre dans un musée, puisqu'elle sort d'un musée? Est-ce qu'il faut centraliser le patrimoine ou le dispatcher sur le territoire européen? Toutes ces questions ont été traitées pendant quelques années, jusqu'à conduire, dans les années 30, le débat a duré une quinzaine d'années, à la création de nouveaux musées sur l'espace européen et à une recomposition de la géographie culturelle en Europe. Donc vous voyez, tous ces musées qui ouvrent dans les années 30, ils ont commencé à être pensés en 1815. Il a fallu 15 ans, en gros, dans ces années-là, pour qu'un concept, une bonne idée qui convient à chaque situation régionale particulière se mette en place. À partir de ce moment-là, des années 30-40, les musées européens se stabilisent, les collections européennes restent où elles sont. En revanche, tous les musées européens commencent à être curieux, et j'allais dire gloutons et affamés, de l'espace extra-européen. Donc les premiers grands objets qui ne sont pas de la peinture européenne ou de l'antiquité classique sont les objets égyptiens. Vous voyez ici l'entrée dans le British Museum de l'époque de plusieurs statues égyptiennes qu'on voit entrer par la fenêtre. C'est une belle image de translocation, une aquarelle de l'époque de l'entrée dans les années 20 de cette grande tête égyptienne. Puis arrivent dans les années 40-50 les premières grandes pièces assyriennes. Là encore, vous voyez le lion de Ninive monter les marches du British Museum. On est en 1852, donc l'Égypte, l'antiquité égyptienne d'abord, puis l'antiquité trouvée sur les sites d'archéologie biblique dans le Moyen-Orient, puis enfin
dans les mêmes années 30-40, l'arrivée des objets qu'on appelle les antiquités américaines, c'est-à-dire des œuvres mexicaines et péruviennes qui font aussi leur entrée, leur apparition dans les collections occidentales. Donc, d'abord, on a une grande phase européenne, tout ça circule, hop, et puis finit par se recaler. Et puis, à partir du moment où tout est recalé, les musées, en particulier Paris, les musées allemands et Londres, se mettent à chercher ailleurs, chercher en Égypte, chercher en Mésopotamie, ou dans l'espace du Moyen-Orient où est menée l'archéologie biblique, où se passe l'Ancien Testament, et puis dans les Amériques, cherchent des œuvres pour élargir leur domaine collection. Tout ça, ça mène au grand musée qu'on connaît aujourd'hui, le British Museum, qui s'installe dans ce bâtiment au milieu du 19e siècle. Les musées de Berlin, qui se mettent à délirer à partir du dernier tiers du 19e siècle, en imaginant, là c'est un plan pour les musées de Berlin sur l'île des musées. Vous voyez ici la ligne de chemin de fer qui traverse l'île des musées, pardon, que vous voyez là. C'est la ligne de chemin de fer Paris-Moscou. Et l'idée des musées de Berlin, c'était que quand on prenait le train, c'est-à-dire le moyen de transport le plus moderne de l'époque, on est en 1884 là, quand on prenait le train pour aller de Paris à Moscou et qu'on traversait Berlin, de part et d'autre, on traversait l'île des musées et on pouvait regarder par la fenêtre, c'était le projet, ce projet-là, on pouvait voir d'un côté les antiquités d'Olympie et de Pergame. Enfin, c'était un moyen pour l'Allemagne, pour l'Empire allemand, de montrer qu'il était non seulement le meilleur gardien de l'Antiquité qu'il venait de s'approprier dans l'actuelle Turquie et puis en Grèce, Olympie et Pergame, les deux grands chantiers archéologiques de l'époque, que donc l'Empire allemand était le meilleur conservateur, le meilleur metteur en scène et en espace et le meilleur présentateur de l'Antiquité, mais aussi celui qui était capable de plus de modernité technologique avec le train qui était tout nouveau à ce moment-là. Donc ce joint-là se fait aussi. Et puis on a en France, comme vous le savez, le Louvre qui est réaménagé dans les années 1850 et on parle du Louvre, mais si vous regardez les catalogues des années 1850, justement, comme ce guide des voyageurs en France, c'est le guide vert de l'époque, de 1854. Si vous ouvrez la rubrique Louvre, vous voyez que d'abord on parle du Louvre au pluriel, ce sont les musées impériaux du Louvre, et quand on regarde dans les détails, on voit inscrit ici les musées impériaux du Louvre, ils sont au nombre de 13, c'est-à-dire que dans cet espace, en 1854, c'est-à-dire à peine 35 ans après le vidage du Louvre de 1815, le Louvre avait réussi à réaccumuler tant de choses qu'on a 13, et en fait, l'auteur se trompe, il y en avait 14. Je les ai comptabilisés, je ne vais pas tous vous les lire, mais on a le musée des tableaux des écoles françaises, italiennes, allemandes, hollandaises, etc. Le musée de l'école française avec le salon des sept cheminées, le musée des dessins, le musée des émaux, bijoux, etc., le musée des antiquités grecques, égyptiennes dans l'ancien musée Charles X, le musée des souverains, le musée naval comportant 10 ou 11 salles, et c'est là, dans le musée naval, où il n'était pas question seulement de marine, mais aussi de ce que rapportait la marine en Europe, le musée ethnographique à l'extrémité du musée naval, avec les premières pièces non européennes dans ce musée ethnographique, le musée des antiques, le musée de la sculpture égyptienne, du Moyen-Âge, de la sculpture moderne, de Ninive, le musée mexicain et le musée Napoléon III, tout ça dans un seul espace. Donc on comprend que si déjà en 1854, le musée est si plein, 70 ans plus tard, Paul Valéry, quand il le visite, trouve qu'il est totalement étouffé par le poids de l'héritage accumulé là. S'ajoute à ça, dans le dernier tiers, ou les deux dernières décennies du 19e siècle, au plus tard, la colonisation du monde par les puissances européennes. Je vous montre ici un tableau de l'époque du domaine colonial de la France, qui occupe donc en particulier ici la partie occidentale de l'Afrique, mais pas seulement, qui se positionne aussi dans l'océan Pacifique et puis ici au Vietnam. Vous voyez l'Empire britannique qui lui aussi se répartit entre Amérique, Océanie et Inde et Afrique. Vous voyez les colonies allemandes, elles étaient seulement au nombre de 4, mais elles ont servi aussi, elles ont pourvoyé, elles ont été des pourvoyeuses de pièces pour les musées allemands et puis également ici dans la Zuidzee, dans la mer, dans le Pacifique. Et puis les plus petits pays comme l'Italie, le Portugal
ou les Pays-Bas, et puis ils ont oublié sur cette carte la Belgique, qui avait aussi des colonies bien moins étendues, mais qui ont joué un rôle central dans la évidemment dans plein de dans leur économie, dans le rayonnement de ces empires, dans leur exploitation des matières premières des autres, mais aussi dans l'augmentation de leurs musées. Et une date clé dans tout ce mouvement, comme vous le savez, au moment pile où les Allemands sont en train de fantasmer sur leur île des musées, alors là encore c'est une vue sur ce qu'aurait pu être l'île des musées en 1884, et juste pile de l'autre côté, là où vous vous trouvez vous, de l'autre côté de l'île des musées se trouvait le château des rois de Prusse, où exactement à cette date-là, lors de la conférence de Berlin, Bismarck et les puissances occidentales se sont partagées l'Afrique, comme vous le savez, vous voyez cette caricature ici. Évidemment, que vous connaissez, et l'arrivée au moment du partage de l'Afrique d'objets qui étaient déjà arrivés dans les décennies précédentes, mais pas de manière massive, mais à partir de 90 au plus tard, 84, 85, 90, la dernière décennie du 19e siècle et le début du 20e siècle, l'arrivée massive d'objets en provenance des colonies, des différentes colonies, donc aussi d'Afrique. Vous voyez ici un catalogue de vente d'un musée d'un marchand de Hambourg qui s'appelait Umlauf, qui, puisqu'il y a un grand port à Hambourg, venait voir arriver par caisse entière des objets de toutes les colonies et qui les dispatchait ensuite dans les différents musées européens. Donc on a des œuvres de cette origine-là, vantées dans ce catalogue Umlauf, qu'on retrouve ensuite des pièces dans différents musées, mais ça ne concerne évidemment pas seulement l'Afrique. Aussi, vous voyez ici une plaquette de vente du musée Umlauf Hamburg, qui vient de la culture maori. Donc à cette époque-là, tout arrive. Tout ce qu'on retrouvera après dans les musées européens arrive dans les ports d'Europe, les différents ports, et soit capté directement par les musées et les États, soit redispatché sur le marché de l'art. C'est l'époque aussi où l'ethnologie se met en place, l'anthropologie. On a un texte assez connu sur ce qu'on appelle l'expédition punitive, évoqué tout à l'heure contre Benin City en 1897, un texte d'un Henry Ross, un Britannique, qui est consacré entièrement au Grand Bénin et qui dit la chose suivante, et je vous montre cette phrase-là, tout le texte mérite d'être lu, mais qui nous explique comment fonctionnent, comment pensent les anthropologues de l'époque et comment s'articulent conquête militaire et agrandissement des musées européens. Il écrit, je l'ai traduit en français, contrairement aux Tasmaniens ou aux anciens Péruviens, l'Afrique de l'Ouest ne sera jamais effacée de la surface de la Terre, mais les rapports avec l'homme blanc modifient ses croyances, ses idées, ses coutumes et sa technologie, et il faut en prendre note avant de les détruire. Donc on voit bien la double logique de la colonisation qui a conscience qu'elle détruit par le contact, par ses méthodes, elle détruit, mais elle veut prendre note, c'est-à-dire aussi sauver ce qu'il y a encore à sauver, mais pour elle, pas sur place. Et il faut en prendre note avant de les détruire. La destruction, nous écrit ce Ross, ce Britannique, la destruction se poursuit à un rythme soutenu, l'une des causes principales étant l'enseignement européen inadapté, donné aux races indigènes en général, inadapté à celles-ci en raison des grandes différences physiques et mentales qui existent entre l'homme blanc et l'homme noir. Donc non seulement la conscience de détruire, de sauver, mais comme on détruit soi-même, évidemment, il y a une vraie tension là, d'une part, et puis le tout sous-tendu par un racisme évident ici, puisque, nous dit cet auteur, il y a de grandes différences physiques et mentales entre les blancs et les noirs, ce qui fait qu'on leur apporte, aux noirs, dit-il, une éducation inappropriée, ce qui les détruit, mais nous autres anthropologues, dit-il, on va sauver ce qu'il y a sauvé. Il ajoute, sur le plan politique, il est de la première importance que nos dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants britanniques, dans ce cas-là, est une connaissance approfondie des races autochtones qui leur sont soumises. Et c'est la connaissance que l'anthropologie peut leur donner, qui défend sa discipline, car cette connaissance peut enseigner quelles méthodes de gouvernement et quelles formes de taxation sont les plus adaptées aux tribus particulières ou aux stades de civilisation dans lesquels nous les trouvons. Donc on voit bien qu'il y a tout un système colonial qui est un système de gains. Il s'agit de taxer les personnes, de taxer les populations. Il le dit de manière très transparente. D'ailleurs, ça ne pose aucun problème autour de 1900 de s'exprimer ainsi. Hein. Donc une logique d'exploitation et de destruction liée à la récupération des œuvres qu'on va mettre
dans les musées. Donc violence physique, violence économique et puis violence symbolique, puisqu'on prive les populations qu'on a conscience de détruire de leur propre culture. J'ai pris un autre exemple, j'ai évité les exemples français, mais évidemment ce genre de prise de position, vous en trouvez chez les Anglais, chez les Allemands, chez les Français, chez les Belges. Il suffit de les chercher, on les trouve assez facilement. Je vous montre ici simplement le directeur de la collection du département africain du musée de Berlin, Felix von Luschan, qui était un collectionneur effréné, frénétique, et qui nous explique, lui, comment il met au service la structure coloniale sur place en Afrique pour enrichir son musée à Berlin. Il écrit « Le département colonial du ministère fédéral des Affaires étrangères, allemande donc, la marine, les gouverneurs des zones protégées et un grand nombre de médecins, de fonctionnaires et d'officiers sont imprégnés de l'importance scientifique et pratique de l'ethnologie et soutiennent fortement nos efforts. » C'est-à-dire que les médecins, les fonctionnaires, les officiers savent que derrière, il y a des musées qui attendent d'être remplis par leurs soins, puisque ceux-ci, les militaires, etc., sont sur place. Et en effet, donc, quand on regarde les personnes, quand on essaie de reconstituer les profils de personnes qui ont apporté dans les deux dernières décennies, ou à cheval entre le 19e et le 20e siècle, autour de 1890 jusqu'à, les années 20, on a un mélange d'aventuriers comme celui-ci, Pierre Savorgnan de Brazza, qui était un aventurier qui a vécu à l'africaine et qui a constitué d'impressionnantes collections qu'il a ramenées à Paris, d'employés coloniaux ou de missionnaires. Vous voyez ici Georges Toquet, un employé colonial qui s'est fait prendre en photo dans une pose dénonciatrice, enfin, qui montre bien comment il conçoit sa mission. Et puis en dessous, le père Camille Laguelle, aux côtés d'un féticheur, en Angola au début du XXe siècle. Donc ces différents types de personnages qui sont ici dans le nuage colonial, disons, qui ne sont pas en première ligne des armées, jouent un rôle important pour procurer aux musées qui les attendent des œuvres. À cela s'ajoutent les expéditions militaires, comme notamment la prise de Magdala en 1868 en Éthiopie. Vous voyez le fort de Magdala. Et la prise de Magdala, riche, trésors égyptiens et notamment des manuscrits ont été dispersés dans le monde entier. L'armée britannique était aussi composée d'officiers indiens, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui des manuscrits de Magdala, non seulement au British Museum, à Berlin, aux États-Unis, mais aussi en Inde, par exemple. Donc des moments de dispersion sous l'effet de prises militaires. Évidemment, et vous le connaissez mieux que moi ici, la prise d'Abomey et la capture du roi Béhanzin en 1892 est aussi un moment où, on y reviendra tout à l'heure, un grand ensemble d'œuvres issues des palais d'Abomey est transporté à Paris. Vous voyez sur cette illustration souvent reproduite du Petit Journal quelques statues royales qui sont sur un chariot, donc soit parce que dans leur tradition on les montrait, soit parce qu'elles sont en train de partir. Évidemment, de telles gravures n'ont pas de valeur documentaire. Ce sont ceux qui dessinent ça n'essayent pas de nous montrer spécialement le chariot. Mais en tout cas, pour nous, c'est intéressant de voir ce mouvement, ces œuvres qui vont partir. Et puis, dans d'autres circonstances, pas seulement en Afrique, j'avais évoqué tout à l'heure le pillage du palais d'été en Chine. Ici, vous voyez en Birmanie une vente aux enchères après une action militaire. Donc, c'était une pratique codifiée, c'était normal. On retrouve les textes qu'après un pillage militaire, tous les soldats apportent ce qu'ils avaient pillé au commandement, qui organisait de grandes ventes aux enchères. Et là, vous voyez des objets asiatiques précieux posés au devant de cette gravure. Des soldats qui proposent des enchères et des œuvres dont on comprend que déjà sur place, elles sont réparties entre différents soldats qui, eux, après, vont les échanger, les revendre, les rapporter chez eux, etc. Et puis, nous avons évoqué tout à l'heure, dans le cadre du film Invasion 1897, la prise, on l'a évoqué déjà plusieurs reprises, non seulement la prise, mais la destruction de Benin City. Et on voit ici, sur cette photo, souvent reproduite également, les militaires de l'armée britannique face à leur butin de guerre, donc des ivoires précieux gravés, des pièces en bronze rares et autres. Et toutes ces œuvres ont été, donc pas vendues aux enchères ici, dans ce cas, mais rapportées en Europe et vendues en Europe. On a ici aussi, sur cette expédition à Benin City, un témoignage de Ross, que j'évoquais tout à l'heure, Henry Ross, qui écrit « Lorsqu'au retour des membres de l'expédition punitive, on a appris que de beaux spécimens de bronze et d'ivoire et de bois avaient été trouvés dans la vieille ville du Grand Bénin. Monsieur Charles
H. Lyer, le gardien des antiquités au British Museum, avec une énergie caractéristique, s'est tout de suite efforcé d'obtenir pour la collection nationale de bons spécimens représentatifs de ces bronzes, et il a réussi à rassembler la plus belle collection de plaques que l'on puisse trouver dans n'importe quel musée. Donc on voit, les gens de musée apprennent qu'il y a eu une expédition, que des choses sont revenues, et tout de suite ils se mettent en poste pour récupérer les plus belles pièces. C'est la même chose du côté allemand. Je vous remontre une citation de Luschan, Felix von Luschan. Le ministère fédéral des Affaires étrangères nous a envoyé une collection très spectaculaire des fétiches et d'autres sculptures d'un genre complètement nouveau, provenant de l'expédition de punition N'Golo du capitaine von Kant, d'une valeur de 2000 à 3000 marks. Une acquisition tout à fait merveilleuse. Donc là, on a les preuves, comment dire, presque naïvement transparentes de ces directeurs de musée contents qu'il y ait de belles expéditions punitives dans les pays soumis aux armes des différentes armées occidentales, puisque ça remplit leur musée. Ils sont très contents. Luschan ajoute, de plus, l'un de mes auditeurs actuels, le lieutenant von Arnim, se joindra à une nouvelle et grande expédition punitive contre le N'Golo, strictement secret. On peut donc s'attendre à des choses très brillantes. Monsieur von Arnim est bien informé de ce dont nous avons besoin et tentera de faire quelque chose de très soigné. Le coût sera probablement nul. Donc là, on ne peut pas dire que les musées européens n'ont pas été mêlés à l'entreprise coloniale. On entend dire parfois cela, que les choses n'ont pas été pillées, etc. Non, pas toutes, sûrement pas, mais dans le cadre d'expéditions militaires, les musées étaient impliqués et ont même télécommandé des officiers pour les servir comme il faut. Vous connaissez évidemment ici, bien sûr, le général Dodds, qui a participé, qui a mené l'expédition au Dahomey en 1892. Merci beaucoup. Et vous voyez dans la présentation d'objets comme ici, ce trône, ce siège royal en bois sculpté nous indique le cartel. Il s'agit ici, donc dans le musée, dans sa présentation au musée, dans le premier musée d'ethnographie à Paris, le musée du Trocadéro. On nous le présente de manière transparente dans ces années, fin du 19e siècle, comme un don du général Dodds, siège royal en bois sculpté, le roi et sa cour, Cana, Dahomey, don du général Dodds, numéro 33099. Donc là, les musées ne sont pas complexés au moment où ils pratiquent ce genre de prise ou d'accueil de dons pour montrer l'origine de ces objets. Objets qui, par ailleurs, sont vendus sur le marché. Je l'évoquais tout à l'heure, je vous montre quelques lettres simplement qui montrent des plaques de bronze, enfin de métal, de laiton en fait, de Benin City, qui ont été vendues par un marchand britannique que vous voyez ici. Donc sa lettre vient de Oxford et elle est adressée au directeur des musées de Vienne. Il propose au musée de Vienne de lui vendre des plaques extrêmement précieuses qui représentent des animaux, des poissons, en lui expliquant qu'il y a très très peu de plaques de poissons. On a aussi des photos imprimées sur carton de vendeurs, de collectionneurs qui tentent autour de 1900 de vendre leur collection donc provenant de cette même provenance, Benin City, qui était présente dans toute l'Europe. Là, vous voyez un collectionneur de Breslau, c'est Wroclaw aujourd'hui, Breslau, ici, dans l'ex-espace germanophone, dans l'ex-Allemagne. Donc ce monsieur à Breslau, autour de 1900, est en possession de bronze dit du Bénin, de bronze provenant de Benin City, et il les vend, il essaye de les vendre comme ça dans toute l'Europe, ce qui fait qu'on trouve en effet ces pièces dans l'Europe entière et pas seulement chez les Britanniques. Voilà, j'évoquais tout à l'heure le muséum Umlauf, la même chose, vous voyez, ils vendent à Hambourg une collection de Nouvelle-Calédonie et on retrouve les résultats de la vente en bas sur le tampon Muséum für Völkerkunde in Leipzig, donc au musée de Leipzig. Tout ça circule extrêmement et ça énerve beaucoup les Britanniques parce que souvent ce sont leurs expéditions punitives qui arrivent en Europe et qui sont achetées par les Allemands. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, dans les collections allemandes, même si l'Allemagne avait peu de colonies elle-même pour se servir à la source, en quelque sorte, elle a ensuite profité sur le marché, puisque l'Allemagne, les musées allemands étaient dotés de grands budgets à cette époque-là, pour racheter, ce qui énerve beaucoup les Britanniques. Je vous montre un peu le genre de rivalité qui se met en place à l'époque. D'après ce que je peux constater, écrit le Britannique Ross, toujours, la plupart d'entre ces pièces ont été acquises par des Allemands. Il est particulièrement agaçant pour les Anglais de penser que de tels articles, qui pour toutes les raisons devraient être conservés dans notre pays, ont été autorisés à aller à l'étranger. Non pas que je le veuille, que j'en veuille, ni que je blâme les Allemands pour ce qu'ils ont fait, mais ce n'est qu'un exemple de plus de leur vigilance et de notre apathie. Ces articles nous ont été perdus,
directement par manque de fonds, mais indirectement en raison de graves omissions de notre part dans le passé, à des circonstances qui malheureusement perdurent. Alors en fait, là, ce que nous explique Cross, c'est qu'il est absolument désolé d'avoir perdu, c'est lui le dépossédé en quelque sorte, de bronze du Bénin. Il est dépossédé parce que c'est les Allemands qui les ont pris. Évidemment, aucune mention des vrais propriétaires légitimes qui ont été, pour leur part, exterminés, qui ne sont même pas dans le radar, évidemment, de cette époque et de ces acteurs. Luschan, de son côté, Felix von Luschan de Berlin, écrit à un ami, dans matière ethnographique en ce moment, la concurrence est très grande, mais j'espère rester victorieux. Donc c'est lui qui a acheté pour les collections de Berlin. Donc en France, ces collections amènent, elles sont rapportées à Paris, mais le Louvre n'y suffit pas, et on externalise les collections ethnographiques en les installant, comme vous le savez sûrement, dans le premier musée ethnographique qui s'appelait le musée du Trocadéro, où on va voir, par exemple, les statues de Guézo, Lélé et Béanzin exposées à leur arrivée à Paris, donc dans le musée d'ethnographie du Trocadéro. Vous les voyez ici aussi en photo. Ce sont des photos qui ont été publiées beaucoup par le musée du Quai Branly ou par tous ceux qui s'occupent de la présence, comme Gaël Beaujean, de la présence à Paris des pièces provenant d'Abomey. Vous voyez aussi le roi Hugo derrière, là. À Berlin aussi, l'île des musées que vous voyez ici n'y suffit pas, et on crée à la fin du 19e siècle un musée spécial für Völkerkund, un musée d'ethnologie immense que vous voyez ici, un très beau bâtiment en plusieurs ailes. Et si on le retourne comme ça, on voit bien que l'Afrique joue un rôle important ici. Africa et Africa, c'est tout cet espace-là, le reste étant au sud, là, l'Amérique du Nord. Je vais faire beaucoup plus vite maintenant pour dire que, évidemment, toute cette violence. Culture de tradition orale, c'est des portes gravées, par exemple, racontent l'histoire ou permettent de raconter l'histoire d'une dynastie, un peu comme les Bibles des pauvres dans nos cultures européennes. Donc c'est, on prive, il y a des violences de différents types qui se produisent sur les populations dépossédées de leur patrimoine. Mais si on regarde de l'autre côté, on voit que ces œuvres vont féconder là où elles viennent, c'est-à-dire en Europe, des formes de création nouvelles. Elles vont servir à quelque chose. Ça ne sert pas à rien, disons. Et je voulais juste vous montrer. Enfin, ça ne sert pas à rien. Heureusement, d'ailleurs. Je voulais juste vous montrer comment le musée en général, et je vais prendre un exemple égyptien et un exemple ici, béninois, comment les musées sont des espaces de germination, en fait, qui permettent, par l'imitation, par l'inspiration d'objets ici venus de loin, de créer, de continuer à créer la culture. Le premier exemple que je voudrais évoquer, c'est celui de la présence, de l'arrivée à Berlin en 1912 de Néfertiti et de son mari. C'est le roi Akhenaton qui est là, Echnaton, en allemand Echnaton, qui a électrisé les avant-gardes à Berlin. Et je vais juste prendre l'exemple d'un face-à-face entre Akhenaton et Rainer Maria Rilke, le grand poète allemand que vous connaissez. Et de l'autre côté, je voudrais évoquer le contact en 1908 de l'architecte déjà évoqué, Le Corbusier, avec, précisément, les œuvres d'Abomey, avec lesquelles il est entré en contact à Paris. Donc juste, d'abord, Néfertiti, l'Égypte, on est en 1912, on est à Tel El Amarna, c'est au milieu de, c'est dans l'Égypte, la Moyenne Égypte. Vous voyez ici une société d'Européens bien habillés, c'est une société de princes, en voyage en Égypte, comme c'était la mode à l'époque, et l'un d'eux était photographe amateur et il a pris des photos, parfois un peu ratées. Les plus celles qui sont un peu mal cadrées sont toujours intéressantes parce qu'elles nous montrent les bords de ce qui se passe et que parfois on ne montre pas. Il a fait un grand nombre de photographies qui ont été retrouvées, des photos sur plaques de verre qui ont été retrouvées seulement il y a quelques années dans une université d'Allemagne. Donc pose habituelle, hein, les Européens bien habillés sur le bord d'un trou. Et on les voit souvent sur ces photos et puis sur presque toutes les photos archéologiques. D'ailleurs, on voit les Européens regarder dans le trou, comme ça, dans le trou où travaillent ceux qui creusent. À droite et à gauche de cette scène, des enfants avec des paniers et un instructeur qui tient un fouet à la main. Il y en a un autre qui arrive en blanc avec un fouet, là.
enfants égyptiens avec des paniers qui servent à transporter le sable lié aux fouilles. Vous voyez des monticules de sable derrière. Ces enfants étaient employés donc pour déplacer le sable des fouilles. Vous voyez ici un de ces enfants avec son panier à la main derrière. Et puis l'archéologue Ludwig Borchardt, qui est le découvreur, si on veut, qui est passé dans l'histoire comme celui qui a découvert Néfertiti, qui regarde dans le trou et qui trouve en effet, alors on a une série de photos où on le voit trouver des têtes de la culture qu'on appelle la culture d'Amarna, qui est une culture égyptienne, une parenthèse dans l'art égyptien, où l'art égyptien est devenu très différent de ce qu'on connaissait jusqu'alors. Et c'est une vraie trouvaille, puisque Ludwig Borchardt, en fait, venait d'excaver l'atelier d'un sculpteur. Donc pour la première fois, on ne connaissait pas l'art d'Amarna, et il tombe vraiment sur une mine, puisqu'il tombe sur l'atelier d'un sculpteur avec des sculptures en cours de fabrication, en quelque sorte. Certaines finies, d'autres pas finies. Là, vous voyez une petite tête qu'il tient dans la main. Et puis, finalement, la découverte du buste de Néfertiti, qui est depuis 1913, depuis son arrivée à Berlin, au musée de Berlin. Alors, ces têtes, ces visages trouvés dans cet atelier d'artistes à Tell el-Amarna, en Moyenne-Égypte, vont électriser totalement les Berlinois des années 1913. Ils passent directement ces objets du sable d'Égypte au de la vie nocturne folle, et ces objets vont être installés directement dans le Neues Museum, dans le musée égyptien, où tout le monde, les avant-gardes vont aller les voir. Au même moment, c'est exactement au même moment, enfin l'exposition a lieu exactement au même moment, fin 1913, a lieu la grande exposition Der Sturm, qui présente les expressionnistes, les cubistes, les futuristes de tous les pays. On voit bien que Der Sturm, cette exposition, considère qu'elle est die stärkste deutsche Kunstausstellung, qu'elle est la plus forte exposition allemande du moment. Mais en réalité, on voit que Marinetti, le futuriste, était venu pour l'exposition Der Sturm, cette exposition d'art moderne. C'est exactement les semaines et les mois où Duchamp invente les ready-made, où Malevich invente le carré noir. Donc on est vraiment dans les avant-gardes. Mais en réalité, si on regarde bien la presse de ces mois de la fin de l'année 1913, die stärkste deutsche Kunstausstellung, la plus forte exposition allemande, c'était pas du tout Der Sturm, c'était bien l'exposition d'Amarna de l'Égypte sur l'île des musées, qui a beaucoup intéressé les avant-gardes. Et vous voyez ici, je vous montre juste un tout petit exemple, un compte-rendu d'exposition le 20 décembre 1913 dans un journal, et on en a vraiment des piles et des piles de journaux de ce genre, où on nous dit: Die Ausstellung im Ägyptischen Museum, wo die neuen Funde aus Tell el-Amarna gezeigt werden, ist ein großer Saisonerfolg geworden. Donc l'expédition au musée égyptien où on montre les trouvailles de Tell el-Amarna est un très grand Saisonerfolg, le grand succès de la saison. Man spricht fast so viel von alter ägyptischer Skulptur wie vom Tango. Donc on parle en ville presque autant de sculptures égyptiennes anciennes que du tango. Und Amenophis der Vierte, c'est-à-dire Akhenaton, et Akhenaton ist geradezu populär. Et maintenant, Akhenaton est devenu très, très populaire, etc., etc. Donc, on voit bien que même les journaux socialistes de l'époque considèrent que cet art égyptien, c'est un vrai art prolétaire pour tout le monde, qu'il faut y aller, que c'est de l'art facile, on n'a pas besoin de s'y connaître en Égypte. On nous dit ici, vous voyez la dernière phrase, « Es ist ja wohl möglich, dass die Gipsabgüsse von Proletariern abgenommen sind. » Dans la presse socialiste, on nous dit « Allez voir cette expo, c'est incroyable, ils ont des têtes comme nous, ils nous ressemblent. » Et d'ailleurs, si on revient en arrière, là, on voit qu'ils n'ont pas l'air égyptiens, ils ne sont pas stylisés. « Allez voir ça, ils nous ressemblent comme si c'était des prolétaires qu'on rencontre dans le métro, en quelque sorte. » Et Rainer Maria Rilke, que j'évoquais à l'instant, a été fasciné, entre autres, comme Freud, comme Thomas Mann, etc., par cette exposition. Vous savez que Rilke avait beaucoup de copines, beaucoup d'amis. Il écrit des cartes postales dans tous les sens, disant « Allez voir cette expo, c'est incroyable, il faut l'avoir vue, etc. » Et son ami Lou Andrea Salomé, il va avec des amis, et elle lui répond une carte postale « Oh là là, Rainer Maria, tu as bien fait de nous dire d'y aller, on était super contents et tout. Et d'ailleurs, tu as remarqué que tu ressembles à Akhenaton. » Et en effet, quand on les regarde, on voit donc que cette époque 1913 s'est complètement identifiée avec l'époque d'Amarna, c'est-à-dire une période du 15e siècle, enfin on est en moins 1400. Et là, les siècles se rétrécissent, et la venue à Berlin de ces œuvres-là, donc saisies dans l'Égypte, qui à ce moment-là n'était pas autonome, n'était pas un pays autonome, tout ce qui était au-dessus du sable appartenait aux Anglais, ce qui était en dessous du sable appartenait aux Français, et l'arrivée de ces objets-là fait un truc très fort aux Berlinois, aux Allemands,
qui vont le transformer, alors Rilke en différents poèmes, Thomas Mann en un roman, dit Joseph Trilogie, Freud en une théorie sur le monothéisme, etc., etc. Je prends mon deuxième exemple, 1908. On va être donc en compagnie quelques instants, mais trop court, très court et trop court, de l'architecte Le Corbusier, né à la fin des années, ou dans les années 1880, et qui est connu notamment, que vous connaissez évidemment tous, notamment pour sa chapelle de Ronchamp et pour d'autres bâtiments phares, des icônes de l'architecture moderne. Quand il était tout jeune homme, en 1908, donc vers l'âge de avant 30 ans à peu près, ce qui ne correspond pas à cette photo, mais j'ai essayé de trouver une photo de lui un peu plus jeune que la précédente, Le Corbusier va au musée d'ethnographie du Trocadéro, où il va être en contact donc avec les statues de Guézo, de Glélé et de Béhanzin, qui vont lui inspirer des aquarelles qui ont été conservées à la fondation Le Corbusier et qui ont été présentées assez récemment au musée du Quai Branly. On voit ici comme un jeune architecte qui s'intéresse aux formes, qui s'intéresse aux couleurs, va dessiner des œuvres d'origine royale en provenance d'ici, de votre région, de notre, d'où on est actuellement. Évidemment, ces œuvres n'ont pas de puissance royale sur lui, elles ont une puissance esthétique, elles l'intéressent pour leur... Enfin, on ne sait pas ce que ça a fait comme effet sur lui, il faudrait creuser la question, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il n'a pas été tétanisé pour des raisons de croyance ou de dynastie ou de contact avec les rois d'Abomey, mais bien parce que pour leur forme, pour leur couleur, pour leur expressivité, leur énergie, ces œuvres intéressent le jeune artiste. Il a dessiné aussi le roi Gou, présent à Paris dans la même exposition, et les portes du palais d'Abomey, qui sont aussi à Paris, en tout cas l'une de ces portes, et on voit écrit, quand on agrandit son dessin, « porte sculptée d'Abomey, en bois noir », et puis il décrit les appliques, etc. Et c'est extrêmement intéressant de voir comme un... Et c'est un seul exemple, on pourrait les multiplier, comme vous le savez, comme un jeune artiste va se sélectriser, prendre contact avec ses œuvres et en faire quelque chose qui fait qu'il va devenir Le Corbusier. On pourrait nommer d'autres exemples. Tout le monde sait que Picasso, que Man Ray, que les expressionnistes allemands se sont inspirés de l'art africain venu dans les capitales, non seulement à Paris, mais aussi à Londres ou à Dresde, Leipzig, Berlin, etc. C'est bien connu. Il y a eu de nombreuses publications sur ces questions-là. Je vous montre simplement un exemple allemand, issu du domaine allemand, de Ernst Ludwig Kirchner, un expressionniste. Eine Zeichnung nach einer Benin-Bronze, donc dessin d'après un bronze du Bénin en 1911, bronze qu'il avait vu dans la collection de Dresde, du musée d'ethnologie de Dresde, où elle est encore. Vous voyez le dessin de Kirchner à gauche et le bronze à droite, publié par la spécialiste des bronzes du Bénin, Barbara Plankensteiner, ou encore Emil Nolde, un autre expressionniste allemand, qui est allé dessiner lui aussi un bronze en provenance de l'expédition de 1898 présentée dans une collection allemande. Et puis pour finir ces exemples, juste un échange de lettres entre deux artistes, Matisse à droite qui reçoit une lettre de André Derain à gauche. André Derain était un jeune peintre vers 1906, il va au British Museum, il se promène dans la galerie ethnographique, enfin dans tout le musée et en particulier dans la galerie ethnographique, et il écrit à Matisse, j'ai vu ça, j'ai halluciné, etc. J'ai noirci 4 feuilles de papier que je renonce à vous envoyer. C'est un tel désordre d'idées, c'est un tel chaos de sensations, de raisonnements, que vraiment vous me croiriez devenu fou. J'ai été pour la 5e fois au British Museum. Là sont entassés pêle-mêle, pour ainsi dire, suivez-moi bien, les Chinois, les Nègres, les Égyptiens, les Étrusques, Phidias, les Romains, les Indes. Je fus obligée de sortir tellement j'avais les idées confuses devant tout cela. Je me suis insinuée à des milieux, à des vies étrangères à la mienne. J'ai donc agrandi ma conscience par autre chose que des mots, des sensations seules, définies avec, par des formes, des couleurs. Ce n'est plus une idée, mais c'est l'idée absolue, la conscience d'être. Donc là, on voit encore l'effet musée, hein, l'effet électrisant du musée qui transforme l'artiste, qui le rend fou et qui a une parole vers lui qui n'est pas une parole de texte, mais une parole de forme et de couleur qui va mener à sa propre création. Je vais un peu plus vite sur la présence de l'absence. J'ai évoqué la présence des œuvres maintenant dans un contexte qui n'était pas leur contexte d'origine. Je reviens maintenant à leur contexte d'origine. Qu'est-ce qui se passe quand ces œuvres ne sont plus là où elles sont? Qu'est-ce qui se passe sur les dépossédés, sur leur psychologie, sur leurs émotions? On voit que l'absence d'œuvres dans de nombreux contextes, et je vous montre ici le fameux couvent
de San Giorgio à Venise, où étaient les noces de Cana de Véronèse qui ont été transportées par Napoléon à Paris. C'était un tableau peint pour le mur du fond de ce grand réfectoire qu'on voit ici. Il faut imaginer que ça avait été peint pour être là-bas. Les Français l'ont emporté en 1797 à Paris, où on le voit aujourd'hui. Alors malheureusement, il est positionné en face de la Joconde. Donc la plupart des visiteurs, vous le voyez au fond, lui tournent le dos, puisqu'ils regardent la Joconde. Mais en tout cas, on voit ici comment les moines de ce couvent, pendant des années, là on est dans une photo qui a servi de support à une carte postale en 1952, ont pratiquement mis en scène, en laissant cet espace vide, ont mis en scène l'absence. Et le fait, tous les jours, pour ces moines, de voir ce vide blanc rappelle l'absence de l'objet. On a d'autres exemples semblables ici à Berlin, dans les années 1950. Les tableaux, après la Deuxième Guerre mondiale, ont été emportés en partie en Russie par l'armée rouge, mais aussi en partie ont été mis sous contrôle américain et britannique. Et vous voyez qu'à Berlin, où les tableaux n'étaient plus, on avait créé des salles réservées au retour des œuvres quand elles viendraient. Diese Räume, est écrit au-dessus, diese Räume sind für die in Wiesbaden deponierten italienischen Gemälde und Skulpturen vorgesehen. C'est-à-dire que Berlin attendait le retour de ces œuvres qui avaient quitté, enfin, qu'on n'avait plus vues depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale en 1939, et avait mis en scène, en quelque sorte, mais pas pour le montrer au public, ce n'est pas une exposition publique, c'est pour les conservateurs eux-mêmes, avaient mis en scène l'absence de ces œuvres qui les avaient quittées seulement là, à l'époque, depuis une quinzaine d'années. Dans plein d'autres cas, on voit que l'absence des œuvres n'empêche pas qu'on se souvienne d'elles. Les deux têtes chinoises que j'évoquais tout à l'heure ont fini par rentrer en Chine 153 ans après leur pillage pendant la guerre de l'opium en 1860. Vous voyez ici les collectionneurs Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, l'une des deux têtes, et puis Victor Hugo qui s'était beaucoup impliqué à l'époque contre, ou qui avait beaucoup critiqué la politique française. Vous voyez pendant la Première Guerre mondiale, c'est pour vous montrer qu'on n'oublie pas, dans le contexte européen, en tout cas pendant très longtemps, on n'oublie pas ces œuvres parties. Vous voyez pendant la Première Guerre mondiale ici, en 1916, que les Allemands écrivent des articles sur les spoliations napoléoniennes. Donc on est 100 ans après, mais on s'en souvient encore, on en parle encore dans la presse, et on dit dans la presse allemande, il nous manque plein d'œuvres que Napoléon n'a pas restituées. Ou là, un petit extrait d'un journal suédois, où même si on ne comprend pas le suédois, on voit la date de 1627 dans le deuxième paragraphe. Et ici, cet article nous explique que les Polonais se souviennent qu'en 1627, certains de leurs trésors sont partis à Stockholm. Donc il y a une très longue mémoire des œuvres perdues, très longue mémoire qui s'explique par le fait que priver des cultures de leurs biens culturels, c'est les priver d'eux-mêmes, en quelque sorte, d'elles-mêmes, ces cultures, et que de même que le patrimoine, c'est une transmission de génération en génération d'œuvres amassées, les cultures des peuples sont aussi transmises de génération en génération. Et si on coupe un peuple de sa culture, ça veut dire en quelque sorte qu'on l'empêchera d'évoluer de génération en génération. Et puisque, pour fermer la boucle, j'évoquais tout à l'heure le discours de Amadou Matar Mbo, le secrétaire général, le directeur général de l'UNESCO dans les années 70. Je voudrais lire avec vous cet appel qui fait 3 pages, qu'on peut retrouver sur Internet, qui a déjà 40 ans et qui, en quelque sorte, dit tout ce qu'on aimerait dire aujourd'hui. On se demande pourquoi, entre cet appel pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable, pourquoi entre 1978 et aujourd'hui, 40 ans plus tard, il ne s'est rien passé. Je vous lis quelques extraits seulement de ce texte que je vous invite vivement à aller lire sur Internet. Il écrit « Le génie d'un peuple trouve une de ses incarnations les plus nobles dans le patrimoine culturel que constitue, au fil des siècles, l'œuvre de ses architectes, de ses sculpteurs, de ses peintres, graveurs ou orfèvres, de tous les créateurs de formes qui ont su lui donner une expression tangible dans sa beauté multiple et son unicité. Or, de cet héritage où s'inscrit leur identité immémoriale, bien des peuples se sont vus ravir, à travers les péripéties de l'histoire, une part inestimable. » Voilà Mbo. Éléments architecturaux, statues et frises, monolithes, mosaïques, poteries, émaux, jade, ivoire, or gravé, masques, de l'ensemble monumental aux créations de l'artisan, les œuvres enlevées étaient plus que des décors ou des ornements. Elles portaient témoignage d'une histoire, l'histoire d'une culture, celle d'une nation dont l'esprit se perpétuait, se renouvelait en elle.
Les peuples victimes de ce pillage, parfois séculaire, n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ils savent, ces peuples, certes, que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes, ailleurs, puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres. Et ils voient bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour qu'on puisse nier les symboles qui les y attachent et couper toutes les racines qu'elles y ont prises. Aussi bien, ces hommes et ces femmes démunis demandent-ils que leur soient restitués au moins les trésors d'art les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent le plus d'importance, ceux dont l'absence leur est psychologiquement le plus intolérable. Cette revendication est légitime. C'est sur ces mots que j'aimerais terminer avec Mbo en soulignant le sentiment que j'ai, que nous avons ces jours-ci, ces semaines-ci, qu'à un moment de l'histoire, 40 ans après cet appel si émouvant qui donne vraiment la chair de poule, là, il se trouve qu'on a l'impression d'être dans un moment historique dû à la volonté politique, en tout cas en France, du président Emmanuel Macron et ici au Bénin peut-être aussi des autorités politiques qui, en tout cas en France, Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne supportait plus, étant un enfant de sa génération, quelqu'un qui a moins de 40 ans, qui supportait plus l'idée qu'on ne puisse pas voir d'art africain ancien en Afrique alors qu'on peut en voir si facilement en Europe et qui s'est engagé à restituer certaines de ses œuvres avec toutes les questions complexes que ça pose et dont on a débattu, dont j'ai eu la chance de pouvoir débattre ces derniers jours. Mais il me semble, ou j'aimerais, j'ai envie de croire avec Mbo ici et puis avec tous ceux avec qui j'ai discuté ces derniers jours, que c'est d'abord une revendication légitime et que le moment est vraiment venu de passer un nouvel acte de l'histoire des musées. Les musées européens qui ont grossi jusqu'à ne plus supporter cet héritage depuis un moment déjà, ne plus le supporter en l'aimant et en le soignant néanmoins d'un côté, et qui ont maintenant, les jeunes générations d'Européens, le sentiment qu'il est temps de dire merci à ceux qui ont prêté malgré eux et malgré elles ces œuvres, qui en étaient dépossédées il y a bien longtemps, et que le moment, au début du XXIe siècle, 100 ans plus tard, 150 ans plus tard, est bienvenu d'inventer une histoire nouvelle des musées, ou pas d'ailleurs, mais du patrimoine dans le monde, avec l'idée que nous, les Européens d'aujourd'hui, nous ne sommes pas ceux qui ont pris ces œuvres il y a 150 ans. Ceux qui l'ont fait il y a 150 ans avaient cette posture historique d'appropriation, de destruction. Et nous, notre posture historique serait plutôt celle, j'espère, de la gratitude, du remerciement et de dire, voilà, c'est notre héritage de colons, de vainqueurs qui nous accable. Et maintenant, on voudrait faire un geste pour, avec les Africains d'aujourd'hui qui ne sont pas non plus les dépossédés d'hier, ce n'est pas les mêmes personnes, pour qu'ensemble, on puisse inventer un avenir commun et plus heureux et en tout cas plus transparent et plus enrichi de dialogue et de paroles ouvertes que ce qu'il a été jusqu'à maintenant ou jusqu'à l'année dernière en France où vous vous souvenez, les revendications légitimes du Bénin notamment avaient été renvoyées à l'expéditeur avec beaucoup d'arrogance. Je crois que ce temps est passé. Certains observateurs parlent de la période post-Ouagadougou par référence au discours d'Emmanuel Macron fin novembre lorsqu'il a annoncé devant 800 étudiants qu'il désirait d'ici 5 ans restituer à l'Afrique le patrimoine africain. Et pour ma part, j'ai vraiment envie d'y croire et j'ai l'impression que malgré les difficultés, malgré les contradictions, malgré le temps qu'il faudra pour que ça marche, les Béninois en tout cas en ont en partie, pour certains, très envie et qu'on peut essayer là de créer un avenir commun à nos continents qui soit meilleur que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Merci Bénédicte. Je crois qu'on a rarement eu l'occasion de moments aussi intenses dans lesquels il y avait du discours, mais aussi de l'émotion. On a pu la partager ces jours-ci ensemble.
Je voudrais simplement vous dire que Bénédicte nous a fait ce magnifique cadeau de nous faire, un panorama de la saison 1 et 2 du Collège de France, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en podcast. Ça marche, on y arrive, avec une première année, À qui appartient la beauté, et 2017-2018 sur une histoire transnationale des musées. Je vous propose simplement de procéder, d'utiliser, de nous donner un peu de temps pour échanger. Je vous propose de garder l'idée de prendre 5 noms dans un premier temps. Donc ceux qui souhaitent intervenir, on fait un petit peu comme cet après-midi à l'université. Je trouve que c'était pas mal. Simplement, on va réduire le nombre de questions. S'il y en a plus, on continuera. Il suffit de signaler, de vous signaler. On prend les 5 premiers prénoms et puis on passe dans la série des questions. Et si tu le veux bien, Bénédicte, tu fais comme cet après-midi. Tu fais une synthèse. Ça permettra d'éviter des réponses individuelles qui peuvent d'ailleurs prendre beaucoup de temps. Donc, merci. Alors, juste une question, je vais me faire mettre de ces réponses comme cet après-midi. On gagne du temps, disait l'homme du protocole à l'UAC, en évitant le remerciement. Vos applaudissements l'ont aidé, donc d'entrer de jeu dans mes questions. Merci. Ok. Donc, je retiens une phrase essentielle qui est celle-ci. La restitution est légitime. Mais ma question est celle-ci. La légitimité de cette restitution suffit-elle pour aboutir à une réelle restitution? Première question. Et ma deuxième question, j'ai suivi dans l'actualité qu'un travail d'inventaire a déjà démarré en France et qui se poursuit. Est-ce qu'il prend en compte des objets béninois, par exemple, qui ne sont pas sur le territoire français, mais qui appartiennent au Bénin? Je prends l'exemple du musée de Louvre d'Abu Dhabi, dans lequel il y a certains objets du Bénin qui sont exposés. Est-ce que cet inventaire prend en compte ces objets? Dernière question. Deux, c'est déjà beaucoup. Je m'appuie sur mon grand maître de cet après-midi qui a arrêté à la première question. On continue, Valentin. Une question, s'il vous plaît. Oui. Quelle corrélation faites-vous entre la culture et la paix? C'est tout. Alors, j'ai remarqué dans votre introduction que vous avez présenté des films qui parlaient de la restitution et du pillage des biens culturels. Il y a un film qui est sorti en 1953, un film réalisé par Alain Resnais et Chris Macker, Les statues meurent aussi, et qui a été interdit pendant 11 ans en France, et qui parlait en fait de l'importance de l'art nègre. Et je voulais vous poser la question, pourquoi vous n'avez pas choisi cet exemple-là pour nous montrer, et pourquoi ce film a été interdit en France? Ma deuxième question... J'ai dit deux questions. Juste pour savoir, pardon, Phil Dank, das freut mich.
je voudrais savoir, est-ce que vous êtes informé de la campagne que nous menons en Allemagne avec notre organisation Afrique Avenir Internationale que nous avons dénommée No Humboldt Forum? Si oui, qu'en pensez-vous? Parce que c'est l'Allemagne est en train de reconstruire un grand musée actuellement pour mettre tous ces objets volés dans un musée. Nous sommes d'accord que ça va apporter une plus-value à l'économie allemande que nous soutenons, mais quand nous demandons le retour de ces objets, qu'en pensez-vous? Parce que vous ne l'avez pas souligné dans votre exposé tout à l'heure. Merci. Bonsoir. On a eu l'impression lors de la conférence Macron-Talon que notre président Macron était pressé de faire avancer les choses. Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion donc de discuter avec le président Talon du timing? Comment est-ce qu'il voit les choses et est-ce qu'il a déjà des pièces en tête qu'il souhaiterait voir revenir au Bénin? Merci. Je vous remercie beaucoup de vos questions. Elles sont assez peu nombreuses pour que j'y réponde peut-être à chacune. Je voudrais commencer par votre question. Ibrahim, vous demandiez est-ce que la légitimité suffit à faire la praticabilité, la réalité de ces restitutions? On a vu avec Mbo que non, il ne suffit pas d'affirmer la légitimité et de la faire sentir. Hélas, il faut une volonté politique très forte. Simplement, il semble qu'actuellement, il y a cette volonté et que cette volonté, si on l'agence, si on l'articule à un débat public du côté de, à la fois de ceux qui vont rendre ces œuvres et de ceux qui vont les récupérer, un débat à plusieurs voix, hein, polyphonique, avec les débats qui peuvent être contradictoires. Si on ajoute à ça toute la dimension technique de la restitution pratique, etc., on peut penser que voilà, ça, tout ça ensemble, ça peut finir par marcher. En tout cas, je le disais tout à l'heure, moi j'y crois, et vous posiez la question de savoir si les œuvres qui sont sur l'inventaire sont seulement celles qui sont sur le territoire français ou pas. Dans un premier temps, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de regarder l'inventaire national français. Mais il se peut qu'il y ait des œuvres qui sont sur l'inventaire et qui ont été prêtées. Je ne connais pas exactement le statut des œuvres que vous évoquez au Louvre d'Abu Dhabi, mais si elles sont sur l'inventaire de la propriété française, elles sont évidemment aussi concernées par cela. Les collections nationales françaises, comme la France, en France, on a l'avantage d'avoir un pays très centralisé, donc les meilleures pièces ont été envoyées à Paris, c'est plus facile, mais il y a aussi des collections nationales dans différents ports, à Nantes, à Dunkerque, à Bordeaux. On ira regarder ça, Felwinsar, et moi, puisque cette mission a été confiée à deux personnes, hein, l'économiste et professeur et doyen de l'université des humanismes de Saint-Louis au Sénégal, mon collègue et ami Felwinsar, on fait ça ensemble. Je préfère pas trop entrer dans les détails parce qu'on s'est promis l'un à l'autre de ne parler que ensemble de cette mission, et on y tient beaucoup, et on a remarqué qu'on répondait mieux quand on était deux que quand j'étais seule. Donc j'entre pas trop dans les détails, mais en tout cas notre idée à nous, c'est d'aller largement et profondément et avec toute la scientificité et le désir de réussite possible. Valentin, merci encore aussi pour cette question, la question du lien entre la culture et la paix. Évidemment, j'ai fait que parler de culture et de guerre, en fait de la prédation de culture. Évidemment que c'est plutôt l'exception de parler de culture et de guerre, puisqu'en temps de guerre, c'est le moment où ne se passent pas les cultures. La question de la culture et la paix, elle a une plus grande évidence, disons. Enfin, en tout cas, elle devrait avoir une plus grande évidence. Il se trouve que, néanmoins, c'est souvent en temps de guerre, quand il y a des pillages en Irak, etc., qu'on parle de ces biens, ou des destructions au Mali, qu'on parle de ces patrimoines en danger. Il serait bon, et c'est peut-être une contribution qu'on essaye de faire, là, avec cette histoire de restitution, qu'actuellement, en temps de paix, en tout cas, en temps de paix entre le Bénin et la France, actuellement, qu'on profite d'un moment de paix pour faire des restitutions, pour pas qu'elles arrivent en moment de tension politique. Donc on pourrait dire peut-être que parler de ça, le fait que je parle de ça avec vous aujourd'hui, ou plutôt vous avec moi, ou cet après-midi à l'université, ou dans d'autres contextes, dans les jours qui viennent de passer,
C'est une occasion de parler de culture en temps de paix et pour contribuer à la paix. La paix qui n'est pas seulement une abstraction, mais qui est aussi une action. Il faut agir pour maintenir la paix et peut-être que parler ensemble de ces questions délicates du patrimoine, c'est une manière de faire œuvre de paix ensemble et pas chacun pour soi. Et de toute façon, la paix, ça marche seulement ensemble. Si on fait la paix avec soi-même tout seul et que l'autre continue d'être frustré dehors, derrière, ça ne sert évidemment à rien. Yves, merci aussi pour la mention du film d'Alain Resnais, Les statues meurent aussi. En fait, les films que j'ai montrés, que j'ai évoqués ici, sont des films de fiction. Mon intention, ce n'était pas là de faire un panorama de tous les films qui ont concerné ces questions, c'était de montrer que comment dire, les films commerciaux, les films grand public s'intéressent à cette question et que donc j'en déduis qu'il y a un intérêt du grand public. C'est plutôt ça que je voulais montrer. Hein. Le film d'Alain Resnais, c'est un film d'art et d'essai. C'est pas exactement un Jackie Chan. Il appartient à une autre catégorie. C'est un documentaire. Je voulais me concentrer sur les films de fiction. Mais évidemment, c'est le grand film, l'un des, j'allais dire, mais c'est le grand film sur cette question. Il est assez bien connu. J'ignore pourquoi il a été interdit pendant si longtemps en France. Je l'ai entendu dire aussi. J'ai jamais travaillé moi-même sur ces questions. Peut-être que quelqu'un le sait ici. Moi, je l'ignore. Je ne peux pas, malheureusement, vous répondre à cette question. Christelle, vielen herzlichen Dank für diese deutsche Frage aus Berlin. Ich freue mich sehr. Merci pour cette question berlinoise sur l'actualité des musées ethnologiques à Berlin, puisque, comme l'a rappelé Christelle, est en train d'être construit, enfin malheureusement, il est presque fini déjà, le château des rois de Prusse, enfin une reconstruction en béton de l'ancien château des rois de Prusse au centre de Berlin, qui est un beau projet en soi, puisque la Bundesrepublik a investi 600 millions d'euros pour reconstruire ce château et pour y mettre ses collections ethnologiques, donc un grand espoir. Beaucoup de gens, au départ, étaient très heureux de ce projet et on pensait que ça allait être l'occasion justement de parler de ces questions difficiles en mettant au centre de Berlin, qui est une ville très dynamique et très mélangée, que ce serait l'occasion de parler de ces sujets un peu difficiles. Et malheureusement, ces dernières années, on a compris, et les No Humboldt 21, l'initiative que vous évoquez, le groupe Afrique Avenir, le groupe Berlin Postcolonial et tous ces groupes-là, les premiers, à partir de 2013, ont alarmé l'opinion publique pour dire que les choses se passaient manifestement assez mal, que les musées de Berlin étaient d'accord pour mettre en scène la beauté des pièces, bien les éclairer, dépenser beaucoup d'argent pour les mettre en scène, oui, pour bien les conserver, ça c'est évident, mais qu'ils étaient en revanche très 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 réticents, et plus que réticents, ils étaient même très muets sur la question des provenances et qu'ils refusaient d'en parler. Et au fur et à mesure de la construction de ce musée qui doit ouvrir en 2019, les frustrations se sont accumulées, non seulement chez les activistes politiques comme ceux d'Afrique Avenir, mais y compris chez des universitaires comme moi. Et pour ma part, j'ai quitté le comité scientifique du Humboldt Forum en juillet dernier, en justifiant mon retrait dans une interview de la Süddeutsche Zeitung qui m'a valu pas mal de remous. Mais je suis contente de l'avoir fait, puisque maintenant, non seulement d'abord... J'ai la chance de pouvoir mettre les mains dans le moteur politique du côté français, mais que même du côté allemand, cette question des biens coloniaux et des collections ethnographiques a été inscrite au contrat de coalition que les deux parties ont passé tout récemment. Le Koalitionsvertrag, le Regierungsvertrag, comporte presque une page entière sur ces questions. Et plusieurs députés m'ont dit que c'était grâce à mon retrait du comité du Humboldt Forum. Donc, j'ose pas trop y croire. Mais le fait est que maintenant, par exemple, la ministre de la Culture allemande, Monika Grütters, me sollicite mon avis. Donc, en fait, c'était une bonne chose de se retirer. C'était une bonne chose qu'il y ait ces initiatives-là, parce qu'il se trouve que les musées, ceux qui font ce musée à Berlin, ont été très aveugles et très sourds aux justes revendications, qui n'étaient pas des revendications de restitution, qui étaient juste des revendications de transparence. On voulait savoir. Et Berlin, c'est une ville où les étudiants, la jeunesse, n'a pas envie qu'on lui raconte n'importe quoi. Donc, ils y vont. Et grâce à des initiatives comme la vôtre, que je salue et à laquelle je connais, j'y participe pas, mais je les connais, et je connais les acteurs, je trouve que c'était bien de secouer un petit peu les organisateurs de ce musée qui étaient très mal partis et qui maintenant s'est remis sur une meilleure ligne. Ça va mieux, disons. Quant à François, le timing de Patrice Talon ou de Macron, évidemment, je les ignore. Emmanuel Macron lui-même a évoqué une période de 5 ans. En effet, il a l'air pressé. Ces choses-là ne peuvent pas se faire dans une urgence totale. Hein. Vous avez vu aux exemples historiques que j'ai montrés que parfois il fallait 15 ans
pour être prêt à récupérer le patrimoine, ou alors on le récupère et on le met dans des expositions provisoires. Il faut du temps pour trouver la bonne formule, mais il ne faut pas que le fait d'avoir trouvé la bonne formule devienne la condition de la restitution. Et je pense que c'est ce qu'Emmanuel Macron a voulu dire. Évidemment qu'on va pas... Je ne pense pas qu'il a l'intention de précipiter les choses au point de mettre en danger ce patrimoine béninois, mais de l'humanité très précieux. Tout le monde est bien conscient du caractère fragile et précieux et essentiel de ces objets. Donc personne ne veut aller trop vite. Et en même temps, je pense que personne ne veut que ça dure à nouveau 40 ans, à nouveau 60 ans, à nouveau 100 ans, jusqu'à ce que la prochaine fenêtre historique s'ouvre. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, Fell Winsar, qui était, à juste titre, puisqu'il est africain, sceptique, et qui ne croyait pas beaucoup à l'annonce d'Emmanuel Macron, c'est pour cette raison qu'il a accepté de participer à cette mission, et c'est pour la raison aussi, c'est pour la même raison que j'ai accepté de le faire aussi. Donc, ils ont l'air pressés. Évidemment, il faudra que le temps de la culture impose son temps à la politique, et pas le contraire. Il ne faut pas que ce soit la politique qui impose son temps à la culture. C'est compliqué, c'est des négociations, mais j'ai l'impression, en tout cas après toutes les discussions que j'ai eues ici, que c'est en train de se faire, et on ne peut que espérer que ça se passe bien. Je voudrais dire quelque chose, parce qu'en fait, j'avais une quatrième partie, mais j'ai vu que j'allais exploser mon enveloppe de temps. J'avais une quatrième partie qui s'intitulait, une dernière partie, une conclusion qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» concrètement. Et je voulais saluer ici parce que j'ai eu la chance de les visiter, deux initiatives, enfin j'en ai visité plusieurs, mais je voulais en saluer deux en particulier. C'est d'une part le petit, ce que les organisateurs eux-mêmes appellent le petit musée de la Récade, qui n'est pas un petit musée, mais qui me paraît être un grand, grand musée par l'idée qu'il porte au centre de Dominique Zingpé, qui est un endroit, peut-être que tout le monde le connaît parmi vous, mais je le dis pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un lieu où des collectionneurs, des marchands et des collectionneurs parisiens d'art béninois et de récades en particulier ont décidé, en se regroupant, de rendre, de ramener ici au Bénin, à Cotonou, ses œuvres et de construire un musée pour elles, si bien qu'on voit des œuvres. Ce n'est pas des œuvres, c'est des insignes royaux, mais qui ont été emportées en France à différentes époques du 19e et du 20e siècle et qui maintenant, 100 ans après ou 60 ans après, ont été rendus et remis dans un contexte béninois avec de bonnes indications de provenance, etc. Et je trouve en tout cas qu'on a là un exemple de bonne pratique, hein, de best practice, de bonne pratique de restitution qui montre sur un petit nombre d'objets, une cinquantaine, c'est pas petit d'ailleurs, c'est beaucoup, un petit nombre d'objets, comment, quand les autorités publiques ne font pas leur travail, comment les privés des deux côtés peuvent pallier en partie au travail qui n'est pas fait. Et l'autre initiative bien connue que je voudrais saluer ici, c'est l'initiative de la Fondation Zissou, et je salue les responsables, ou trois responsables, enfin la patronne et deux actrices principales de la Fondation, notamment pour le travail qu'elles font pour l'éducation des plus jeunes, puisque évidemment, et c'est un des grands points qu'on a évoqué ces quelques derniers jours à l'université avec les conservateurs, etc., souvent les Béninois, nos interlocuteurs, nous disent « mais ici, tout le monde s'en fout de l'art. Donc ça n'intéresse pas les gens. » Et comment c'est ce que disent les Béninois. Hein, je ne fais que répéter. Donc les premières fois où on m'a dit ça, bon, j'ai enregistré l'information. Et puis finalement, quand on creuse, on voit bien que une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de sensibilité peut-être artistique ou pour ces choses, pour les musées, c'est qu'il n'y a pas non plus d'éducation artistique dans les écoles et que tout ce travail-là de contact avec l'art, de créativité soi-même, de comprendre qu'un musée ou une collection, ça peut être une archive de créativité, qu'on va copier un objet, le transformer, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut faire chez les très petits et avec les ateliers de Ouida et d'ici, les petits pinceaux menés notamment par la Fondation Zissou, mais aussi par le centre de Dominique Zingpé. En tout cas, on attrape là les jeunes, et c'est avec eux, enfin tout le travail qu'on est en train de faire là, Fell Winsar et moi et vous et qui êtes ici, et puis l'Institut français et toutes les bonnes volontés qui s'y mettent. De toute façon, nous, on est trop vieux pour en profiter, si vous voulez. Les choses vont se faire, elles vont se faire vite, mais après, en fait, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants, et c'est pour cet avenir là, cet avenir des jeunes Africains, mais aussi des jeunes Européens qui auront peut-être la satisfaction de ne pas traverser des musées dont ils ne connaissent pas la provenance, comme ça a été le cas pour moi quand j'étais enfant, qui pourront savoir d'où viennent les œuvres qu'ils regardent. Voilà, c'est pour eux qu'on travaille. Et donc, j'ai encore quelques slides là où on voit des enfants au petit pinceau et où on voit
le musée de la Récade, qui sont en réserve derrière les bulles, que je ne vous montre pas, mais je tenais dans la discussion à saluer ces initiatives-là, qui évidemment sont des modèles. Merci. Je vous propose encore, pour éviter les frustrations, de prendre d'autres questions. Moi, je vais poser des questions, on prendra d'autres questions. On n'est pas obligé de tout. Gerne auf Deutsch. Écoute. Je voudrais demander, par rapport à l'authenticité des œuvres, est-ce que cela ne posera pas problème? Parce que forcément, il y a des copies qui circulent en Europe. Alors, est-ce que l'authenticité est garantie lorsque les transferts vont commencer? Merci. Bon, merci, parce qu'avec cette question, j'ai quand même l'occasion de montrer mon slide. Excusez-moi, je vous prends en otage là, mais quand même... J'avais envie de le montrer. Cette question de l'authenticité des copies qui ont été peut-être faites aussi pour les touristes, elle est évidemment très, très importante et très, très actuelle. Ouh, pardon. Je suis partie au début. Je voudrais juste vous montrer un des cartels dont on a discuté avec des collègues universitaires ici de l'université avant-hier ou hier. Dans le petit musée de la Récade, qui pose exactement la question que vous avez posée. Je voudrais vous montrer, donc, juste ici. Donc, j'évoquais d'abord la fondation de Dominique Zingpe et la construction de ce musée de la Récade, ici, sur son centre, le petit musée de la Récade, qui est un très beau musée, un très bel endroit où les œuvres sont bien présentées et elles sont mises en dialogue avec des récades contemporaines ou des objets inspirés à des artistes contemporains par ces insignes royaux qui sont pleins de pouvoir. Et si on regarde par exemple cet objet-là, je dis objet, je sais que ce n'est pas du tout le bon terme, hein, c'est-à-dire d'abord pièce, parce que c'est des objets qui sont des sujets, qui agissent, hein, qui ont une force. Quand on regarde une pièce comme celle-ci, on a du mal à l'œil nu à imaginer son âge, et quand on regarde le cartel à côté, et on voit tout de suite les problèmes que posent, ou qui sont liés à la question que vous venez de poser, on voit ici... sur le cartel, sur l'indication Récade zoomorphe, lion, emblème symbolique du roi Glélé, souverain du royaume d'Abomey de 1858 à 1889. Donc, comme on sait que ces insignes royaux appartenaient au roi et que au roi, on suppose en lisant ça que c'est une œuvre, c'est une pièce du 19e siècle. Et puis, on lit tout de suite en dessous royaume d'Abomey, Bénin, fond, circa 1940. Alors, on se dit, mais. Alors, ça a appartenu à un roi du 19e siècle, mais ça a été fabriqué en 1940. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Soit c'est le cartel qui se trompe, soit les collectionneurs, monsieur et madame Robert Valois, qui ont fait don de cette pièce, savent pertinemment qu'ils ont dans leur collection une pièce qui a été fabriquée peut-être pour des collectionneurs, des touristes, à qui on a fait croire dans les années 40 qu'il s'agissait d'une récade de Glélé. Donc toutes ces questions-là, c'est des questions dont il faut parler, qui vont se poser. Et d'après les spécialistes, et je ne suis pas moi ethnologue, ni je travaille comme conservatrice dans une collection de musées, mais d'après les spécialistes, nos musées européens sont évidemment pleins de faux, enfin de faux, de copies ou d'objets qui ont été fabriqués pour répondre aux besoins du marché. Et ce qui ne les rend pas moins précieux artistiquement. Enfin, on peut voir comment dans les années 40, les artisans ici étaient assez malins pour tromper ceux qui venaient acheter la marchandise, etc. C'est intéressant historiquement aussi, mais ça raconte évidemment autre chose et c'est une autre énergie peut-être qui sort de ces objets-là et d'autres informations qu'elles donnent. Et si vous pouvez me permettre, je voudrais essayer de lire un poème qui est difficile à lire, mais qui me paraît très beau et qui mérite à mon avis d'être plus connu. Denis Osundare, le grand poète nigérian, sur la mémoire de l'Afrique. C'est en anglais et il y a plein de mots africains que je peine. Je me suis exercée, mais vous allez voir, ça va rater. Bon. I ask for Oluyenyutuye bronze of Ife. The moon says it is in Bonn. I ask for Ogidigibonyumonya mask of Benin. The moon says it is in London. I ask for Dinkowawa stool of Ashanti.
The moon says it is in Paris. I ask for Tongongo Wera bust of Zimbabwe. The moon says it is in New York. I ask for the memory of Africa. The seasons say it is blowing in the wind. The hunchback cannot hide his burn. En tout cas, voilà, c'est très mal lu de ma part, pardon. Il faudrait entendre le poète le lire lui-même, mais c'est un poème qui met en lien la mémoire de l'Afrique, la mémoire pas perdue, mais la diaspora de la mémoire et la diaspora des objets, et qui montre comment ces objets qui portent un nom dans une culture, des noms qui ont des significations particulières, ont été répartis dans les musées du monde, et on sent la mélancolie, le regret, la nostalgie du poète qui les évoque ici, un poème de 1998 qui touche, je crois, bien certaines des émotions qu'on a rencontrées ces derniers temps. Et puisque j'avais évoqué les enfants de la Fondation Zissou, je les montre ici comme dernière image, l'image de notre avenir, même si on voit l'avenir de dos, bien sûr, on le voit de dos, puisque les enfants sont devant nous et que c'est eux qui appartient le patrimoine, en fait, puisqu'on l'a appris, le patrimoine va de génération en génération. C'est le leur, c'est pour eux, et c'est pour eux qu'on travaille, et que vous travaillez. C'est pour ça que c'est bien d'être ici. Merci. Merci Bénédicte. On était à Baumé ensemble dimanche, et on a eu une discussion avec plusieurs interlocuteurs autour de la question, et c'est bien le temps de discuter de toutes ces questions. On a d'autres préoccupations, d'autres enjeux, le développement, la santé, l'éducation. Et on a eu notre ami Gabin Djimassé, donc le directeur du bureau du tourisme, qui est en même temps un des grands connaisseurs de l'histoire d'Abomey, de l'art d'Abomey, qui nous a dit, alors je l'ai noté, je l'avais promis que j'allais le faire, il nous a dit, le temps normal, c'est le temps qui nous permet de parler de ce dont il faut parler. Et je pense qu'effectivement, tu nous as donné aussi cette opportunité d'un temps normal, celui où on peut se dire des choses avec écoute, parfois passion, parfois conflit, mais qui ouvre des portes, pas simplement celle des écoles, mais aussi celle de ce que nous allons continuer à faire ensemble, puisque tu auras d'autres opérations qui seront à la fois déjà conduites ici dans une université d'été à l'école du patrimoine d'Abomey. Et puis peut-être, puisque nous nous sommes engagés avec nos amis allemands, nous aussi dans notre saison 1 du franco-allemand, je pense qu'une saison 2 est tout à fait possible d'ici la fin de l'année, et elle nous permettra d'approfondir, de contribuer aussi à notre modeste place, hein, puisque c'est aussi notre travail à l'Institut français que de permettre à des acteurs d'échanger, de se rencontrer, d'entendre des points de vue et des regards différents. Donc nous allons continuer ensemble. Je vous remercie de votre présence, et je remercie tout particulièrement Bénédicte, avec la passion qu'on lui connaît, d'avoir pris ce temps avec nous. Et puis nous sommes sûrs de nous retrouver très rapidement, certainement avec Felwinsa. Merci, bonne soirée.